نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، j'ai choisi que le titre de cette conférence, inshallah ta'ala, soit l'importance du tawhid, ou bien pourquoi on doit donner de l'importance au tawhid et à la aqida. Et comme ça va venir inshallah ta'ala dans le cours, vous savez que maintenant il y a plusieurs sectes, groupes et fractions qui prêchent l'islam. Bien sûr, qui prêchent le faux islam. Et vous verrez bien sûr que vous allez constater que pour discerner le vrai ou la vraie fraction, le vrai groupe des autres, c'est quoi? C'est de voir que prêche ce groupe. Que prêche-t-il, je veux dire, en premier lieu? Par quoi commence-t-il son prêche, sa dawa? Par quoi il la commence? Est-ce qu'il commence la dawa par le fait de parler des gouverneurs qui sont des kofars? Ou bien il commence par apprendre aux gens le tawhid et ses différentes sortes? C'est pourquoi j'ai décidé, inshallah ta'ala, de parler donc de l'importance du tawhid. Et parmi ces groupes, il y a un groupe qui s'appelle le groupe de Al-Sunnah al-Jama'a. Ce groupe-là, pour lui, la chose la plus importante, c'est quoi? C'est le tawhid. Et il fait du prêche au tawhid, et il fait de ça son principal but. D'ailleurs, il ne vit que pour ça. Maintenant, si on m'a demandé pourquoi, la réponse, c'est ce qui suit. Premièrement, car le tawhid, c'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Non seulement il nous a créés nous, mais il a créé aussi les djinns spécialement pour le tawhid. C'est quand il a dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Dariyat 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Abdullah ibn Abbas, le grand compagnon et cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, comme c'est dans Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari, et c'est Bukhari qui l'a cité, il a dit quoi? Il a dit, pour qu'il m'adore, ça veut dire pour qu'il m'unifie. C'est pas l'adoration seulement, faire la salat et aller au hajj et le siyam. Il a dit, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'il me fasse l'unicité et l'unification. C'est-à-dire pour qu'il ne fasse pas de shirk. Pour qu'il ne fasse pas de shirk. Naam. Et Allah Ta'ala aussi a dit dans le Coran, وَقَادَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. N'adorer que lui. L'ascension, verset 23. On a aussi le hadith de Mu'ad, radiyallahu ta'ala anhu, de Mu'ad ibn Jabal, qui est rapporté par Bukhari ou Muslim. Où Mu'ad, radiyallahu ta'ala anhu, dit, je me trouvais derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur un âne. Il me dit alors, ô Mu'ad, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs, et quel est le droit des serviteurs envers Allah? Je répondis, Allah et son prophète sont plus savants. C'est-à-dire, je ne connais pas la réponse. Allah et son prophète sont plus savants. Puis il ajouta, le droit d'Allah sur ses serviteurs est de l'adorer sans rien lui associer.
et le droit des serviteurs envers Allah, et qu'il ne châtie pas ceux qui ne lui ont rien associé. Rapporté par Bukhari ou Muslim. Donc, vous remarquez quoi? Vous remarquez que l'être humain, voire le djinn aussi, n'a été créé que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour faire des efforts pour ne pas lui associer qui que ce soit. Donc, nous, on n'est pas comme les gens qui, ou bien ne savent pas pourquoi ils vivent. Nous, alhamdoulilah, notre but est très clair. J'ai été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les autres, ou bien, ils ne savent pas pourquoi ils ont été créés, ou bien, ils ont fait de leur but, c'est quoi? Leur but pour eux, c'est les divers divertissements et distractions et assouvissements des désirs, des délices et des plaisirs. Subhanallah al-Azim. D'ailleurs, ceux qui font comme ça, ceux qui ne vivent que pour assouvir leurs plaisirs et non pas pour adorer Mawla Azza wa Jal, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là, Allah ta'ala dit d'eux, dans Sourate Muhammad, verset 12, il a dit: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Allah Ta'ala a dit, نعم, et ceux qui, نعم, qu'est-ce qu'ils font? يتمتعون, jouissent, ويأكلون, et mangent comme mangent les bestiaux, et le feu sera leur demeure éternelle. Le feu sera leur demeure éternelle. Donc les kofars, qu'est-ce qu'ils font? Les kofars vivent pour jouir et profiter des différents délices et plaisirs de cette vie. Que ce soit en mangeant, que ce soit en faisant autre chose. Ils ressemblent exactement aux bestiaux. Quelle est la différence entre l'animal et celui qui n'a pas connu Allah Ta'ala et celui qui n'a pas adoré Allah Subhanahu wa Ta'ala? Quelle est la différence entre les deux? Les deux mangent, les deux boivent, les deux dorment, les deux cherchent leur plaisir. Oui. Deuxièmement, pourquoi on met en premier lieu le tawhid? Pourquoi? Car le tawhid, c'est la da'wa et le prêche de tous les prophètes et des messagers qui ont été envoyés dans ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. النحل 36. C'est-à-dire, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tawhid. Allah Ta'ala a dit aussi: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Donc vous voyez, il n'y a pas un messager qui n'est pas venu avec la phrase qui dit quoi? Qui dit: adorez Allah Azza wa Jal et écartez-vous du tarout. Le tarout, c'est quoi? C'est toute chose adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui adore une statue, la statue c'est un tarout. Celui qui adore le soleil c'est un tarout. Celui qui adore quelqu'un qui ne légifère pas avec les lois d'Allah, celui-là c'est un tarout. Et comme ça, toute chose qui est adorée en dehors de Dieu, Azza wa Jalla, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un tarout. Donc vous voyez que il n'y a pas un messager qui, yani, lorsqu'il fait le prêche, ne commence pas par la aqida. C'est pour cela que personne n'a tel ou tel secte, ou tel ou tel. Tel groupe, sont dans le vrai ou dans le faux, on voit, yani, que tous les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala ont commencé par quoi? Ont commencé par adorer Allah subhanahu wa ta'ala et écartez-vous du route. Et bien sûr, ici, il faut pas laisser les takfiris
et les Khawarij faire des choubouettes aux gens, et leur dire donc, Allah Ta'ala, puisqu'il a dit, adorez Allah et écartez-vous du Ta'out, donc, l'adoration d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est quoi? C'est, d'aller juste couper la main du voleur, fouetter celui qui fait la fornication, et d'aller appliquer les lois, les jugements, c'est ça, d'aller. Donc, tout gouverneur qui ne fait pas ça, donc c'est un kafir, c'est un ta'out, il faut quoi? Il faut d'aller s'écarter de lui. Non? Et il ne montre pas aux gens que Allah subhanahu wa ta'ala a dit adorez-le. Non, adorez-le. Où est l'adoration? Où est l'aqida? Où est l'aqida? Où sont, non, où sont les différentes sortes de tawhid? Où sont-ils? Eux, ils ont les takfiriens ont inventé un tawhid qu'ils appellent tawhid, le tawhid du jugement, tawhid al-hakimiyya. Alors que al-sunnah al-jama'a disent tawhid al-hakimiyya se trouve lui-même dans le tawhid de la seigneurie. Et certains disent dans le tawhid de l'ilahiyya, l'ulouhiyya, c'est-à-dire le tawhid de la divinité. Ben, ce n'est pas quelque chose à part. Et même, pourquoi aussi on incite les gens, non, à ce qu'ils mettent le tawhid entre leurs yeux, la da'wa, le tawhid entre leurs yeux? Car tout simplement que le tawhid est une condition, non, d'acceptation des œuvres. S'il n'y a pas de tawhid, tout ce qu'on fait n'est pas accepté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Al-Kahf 110. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, et nous tous, alhamdoulilah, on espère rencontrer notre Seigneur. Est-ce que ça suffit le fait d'espérer? Espérer et ne pas adorer Allah. Espérer et faire des souhaits et rêver. Est-ce que ça suffit? Ça aurait été trop facile. Trop facile de souhaiter seulement. Mais Allah Ta'ala dit, quiconque espère rencontrer son Seigneur, alors il lui faut deux choses. La première, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. La caverne 110. Donc, voilà, celui qui veut rencontrer son Seigneur, espère le rencontrer. Quand on dit espère le rencontrer, c'est-à-dire espère le rencontrer ravi de lui. Car, a'oudou billah, que Allah Ta'ala nous préserve, on peut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en colère contre nous. Nous, notre but, c'est qu'on le rencontre ravi de nous. Quiconque veut le rencontrer ravi de lui, qu'il fasse deux choses. La première, il a dit, qu'il fasse de bonnes actions. Il n'y a pas de bonnes actions pour celui qui ne suit pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les bonnes actions ne peuvent être inventées et y aller forgées de nous-mêmes. On adore Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec ce qu'il a légiféré. On n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala avec nos passions, ni avec y aller ce qui nous plaît nous. Non, ce qui nous plaît nous. Regardez, je donne un exemple très simple. Lorsqu'on dit le prophète a dit, est-ce que c'est bien de dire sallallahu alayhi wa sallam ou là c'est pas bien? Est-ce que c'est bien de dire que la paix soit sur lui ou là c'est pas bien? C'est bien ça, on a même des ajr. Et même celui qui entend ça, il ne dit pas ça, ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi? C'est un bakhil, c'est un avare, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça. Et maintenant, l'adhan, quand quelqu'un va faire l'adhan, comment qu'il dit? Il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ensuite il dit ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pourquoi il dit pas ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi il dit pas? Vous avez entendu quelqu'un faire le adhan et dire j'adou anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Vous avez entendu ça? Vous l'avez entendu chez Bilal, chez Abu Bakr, chez Omar, chez Osman, chez Ali, chez les compagnons, chez les grands sœurs? Personne ne l'a fait, ça? Pourquoi on ne le fait pas? Pourtant, dire sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose que Allah Ta'ala aime et de bien. On ne le dit pas car on n'invite pas des choses de nos têtes. Naam. On adore Allah subhanahu wa ta'ala
en suivant son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et son messager, quand il nous a appris le Adhan, il nous a pas dit de dire sallallahu alayhi wa sallam. Si ça se disait, il nous l'aurait dit. Si ça rapprochait d'Allah, il nous l'aurait montré. Si ça faisait rentrer au paradis, il nous aurait excité, incité à le faire. Donc, vous voyez que, quand il a dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui veut me rencontrer, qu'il fasse de bonnes actions. Les actions ne peuvent être bonnes que si elles viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien du Coran. Non, sinon elles ne sont pas bonnes. Même si pour toi, dans ta tête, tu dis c'est quelque chose de bien. Comme j'ai donné l'exemple de dire sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam c'est quelque chose de bien. Mais attention, tu l'as mis là où il ne fallait pas le mettre. Donc tu as inventé ta tête. Donc tu veux adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme tu veux toi. Chacun va adorer Allah comme il veut. Ça, c'est pour ça que nous, on critique sévèrement les rawafid et les chiites. Pourquoi? Dans leur adhan, qu'est-ce qu'ils disent? À la fin, qu'est-ce qu'ils disent? Wa ashhadu anna Aliyan waliyullah. Et j'atteste que Ali, le cousin du prophète, le mari de Fatima, j'atteste que Ali, c'est waliyullah, c'est un élu d'Allah Ta'ala. Mais on va dire, est-ce que quelqu'un au temps du prophète Sarsen, quand ils ont fait le Adhan, il disait cette phrase? Est-ce que dans le Adhan de Abu Bakr, Omar, Ali, Osman, quand eux ils étaient vivants, dans leur règne, est-ce qu'ils disaient cette phrase? Ils l'ont pas dit, ça. Donc, ajouter une phrase pareille, c'est carrément de l'égarement. C'est carrément de la bida, c'est carrément l'enfer. L'enfer ou l'iyadu billah. L'enfer ou l'iyadu billah. C'est pour ça que rappelez-vous la phrase célèbre qu'a dit, attendez, qui a dit ça? Abdullah ibn Mas'ud. Non, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Il a une phrase célèbre. Je voudrais que tout le monde, toute personne de Al-Sunnah al-Jama'ah, toute personne qui se proclame des salafs, apprenne cette phrase. Très courte. Très courte. C'est quoi cette phrase? Oh, comme ça, je vais la dire en français, mais une traduction, il y a une. Rapprocher. Parce qu'en arabe, c'est كم من مريد للخير لم يبلغه. كم من مريد للخير لم يبلغه. Ça donne en français. Oh combien de gens qui veulent le bien ne l'atteignent pas. Oh combien de gens qui aiment le bien, veulent le bien, souhaitent le bien, mais ne l'atteignent pas. C'est-à-dire toi, tu fais une chose en voulant le bien, en voulant Allah, en voulant le paradis, mais tu te trouves avec des péchés. Pourquoi? Car tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu inventes de ta tête. Non, tu veux adorer Allah comme bon te plaît. Alors Allah Ta'ala a cité ici deux conditions. Il a dit quiconque veut, non, de me rencontrer demain, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe rien dans mon adoration. La deuxième quoi? La deuxième condition qu'on appelle la sincérité. La sincérité. Ne rien associer à l'adoration du Seigneur. D'ailleurs, Abu Hurayra, radiallahu ta'ala anhu, a dit dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Ta'ala a dit, c'est un hadith Qudsi, Allah Ta'ala a dit, je suis celui qui se passe le plus d'associer. Quiconque accomplit une action dans laquelle il m'a attribué un associé, je le délaisse lui et son association. Voyez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a dit. Allah Ta'ala a dit comme ça. Ou bien tu fais la chose pour moi, ou bien je la rejette. Quiconque accomplit une action dans laquelle il m'a attribué un associé, je le délaisse lui et son association. Moi, je veux qu'on ne fasse la chose que pour moi, exclusivement pour moi. Sinon, je l'accepte pas. Non. Et vous savez, dans le hadith authentique, que Allah Ta'ala est jaloux. Vous connaissez le hadith qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala est jaloux. Non. Comment? Yani, pour faire une chose, tu la fais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Tu ajoutes, yani, tu fais rentrer quelqu'un dans ton intention avec lui. Allah Ta'ala n'accepte pas. Il te dit choisis entre moi et lui. Tu peux pas gagner les deux à la fois. C'est pour ça qu'il a dit
si tu l'as fait, alors je te délaisse, toi et ton association. Et pourquoi on insiste beaucoup sur le tawhid? Pourquoi on insiste beaucoup aussi pour le tawhid? Car celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec unification rentrera au paradis, quels que soient ses actes. Ça, alhamdoulilah, c'est une des grandes faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et qui montre quelle est l'importance du tawhid. Le tawhid, c'est tellement important que si tu le fais, tu fais le tawhid, tu as une bonne aqida, malgré que tu fais des grands péchés, à condition que ces péchés ne contredisent pas l'aqida, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Non, subhanallah, regardez le grand, yani, cette grande faveur du tawhid. D'après Jabir radiallahu ta'ala anhu, que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque rencontre Allah sans ne lui avoir rien associé entrera au paradis. Non. Et d'après Abu Dhar radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril est venu à moi puis m'a dit, quiconque parmi ta communauté meurt sans rien avoir associé à Allah entrera au paradis. Je lui demandais, même s'il fait tel et tel péché, il répondit oui, rapporté par Bukhari ou Muslim. Oui. D'ailleurs, dans un autre hadith, au point Abu Dhar va s'étonner. Il lui dit à Rasulullah, même s'il fait la zina, il lui dit même s'il fait la zina. Ya Rasulullah, même s'il fait la zina, même s'il fait la zina. Trois fois, ya Rasulullah, même s'il fait la zina, même s'il fait la zina. Non, même s'il fait un grand péché. Parce que quelqu'un qui fait un grand péché, qui a une bonne aqida, c'est quoi? C'est maximum, grand maximum, si Allah Ta'ala ne nous pardonne pas, il va le faire entrer, yani, en enfer. Pourquoi? Pour, yani, ce grand péché qu'il a fait. Mais, il ne va pas rester éternellement en enfer. C'est ça, yani, la grande faveur du tawhid. Sans dire que le tawhid annule les grands péchés. Le tawhid annule les grands péchés, comme on va le voir, inshallah Ta'ala, tout à l'heure. Et d'après Ubayd ibn Samit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, si ce n'est Allah, unique et sans associé, que Muhammad est son serviteur et messager, que Isa, Jésus, est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole qu'il envoya à Marie, Maryam, et une âme venant de lui, que le paradis est une vérité, que l'enfer est une vérité. Il a dit, celui-là entrera au paradis, quels que soient ses actes, rapportés par Bukhari ou Muslim. Vous avez entendu, il a dit, entrera au paradis. C'est-à-dire, même s'il passe par l'enfer, mais sa demeure éternelle sera le paradis. Contrairement à qui? Contrairement à celui qui yani, avait une fausse aqida. Celui qui a une fausse aqida, qui faisait du shirk, du grand, etc. et n'a pas fait la tauba avant de mourir, celui-là, c'est l'éternel, la feu qui l'attend, les adoubillah. Donc c'est pas facile, là. C'est pas une chose facile de mourir, alors que je faisais la salat, alors que je suis allé au hajj, alors que je jeûnais, pour me trouver, finalement, yani, en enfer éternellement, parce que je faisais le grand shirk. Ça me rappelle une phrase célèbre aussi qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, car il a des phrases célèbres comme la phrase que j'ai dit tout à l'heure, que combien de gens aiment le bien mais n'arrivent pas yani, à ce bien, c'est-à-dire ils ont une bonne intention mais une mauvaise action. Il a dit aussi une phrase très célèbre, très très célèbre. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien cette phrase. Je vais la dire à peu près, parce que je la connais en arabe. Il a dit, si je jure par Allah, tout en mentant, je mens, je suis un menteur. Si je jure par Allah, tout en mentant, est mieux que jurer par un autre Allah, tout en étant véridique. Si je jure par Allah, tout en mentant, c'est mieux que de jurer par un autre qu'Allah
tout en étant véridique. Vous savez pourquoi? Regardez, Yanné, ce qui montre que ces gens-là avaient vraiment de la science. Ces gens-là étaient des montagnes. Des montagnes. D'ailleurs, qui ne connaît pas Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud de la science qu'il avait? Non. D'ailleurs, c'est lui-même qui disait, Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il disait, radiallahu ta'ala? Il disait, si je connaissais quelqu'un qui connaît mieux que moi le Coran, c'est-à-dire son interprétation, et que cette personne se trouve à portée de deux chameaux, alors j'irai la voir. C'est-à-dire, il n'y en a pas. Comme ça, c'est comme s'il voulait dire, il n'y a pas quelqu'un de plus savant que moi. Il disait, s'il y a quelqu'un de plus savant dans le Coran et son interprétation, et chez lequel ou là auquel on peut arriver sur d'autres chameaux, j'irai le voir. C'est-à-dire, il n'y en a pas. Moi-même, je préfère jurer par Allah en mentant que de jurer par Allah, par autre que là en disant la vérité. Regardez pourquoi. Imagine, je jure par Allah en mentant. J'ai 5 euros dans ma poche. 5 euros dans ma poche. Quelqu'un me dit, tu as 5 euros, je lui dis, je jure par Allah que j'en ai pas. Je jure par Allah que j'en ai pas. Abdullah ibn Mas'ud dit, si tu dis comme ça, tu dis, je jure par Allah que j'en ai pas, alors que tu les as, c'est mieux que de dire, par exemple, je jure par Sidi Abdurrahman, ou la Sidi Ben Youssef, ou la Sidi je ne sais pas qui, hein, que je n'ai pas 5 euros dans ma poche. Pourquoi? Car quand tu as juré avec Allah Ta'ala, tu as juré sur Allah, je jure par Allah. Quand tu as juré par Allah, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait tawhid. J'ai juré par Allah. Et mentir, c'est quoi? C'est un péché, c'est un grand péché. Mais le tawhid annule les péchés. Le tawhid annule les péchés. C'est Allah Ta'ala qui a dit. C'est Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran. Il a dit, « Intajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu wa kafirankum siyatikum. » Il a dit, si vous éloignez des grands péchés, on va annuler les petits péchés. Et ça veut dire, si tu tiens bon dans le tawhid, il annule aussi les grands péchés. Et même, quand je jure par Allah, j'ai fait du tawhid. Et quand j'ai menti, j'ai fait un grand péché. Le tawhid annule le péché. Mais quand je jure par un autre que Allah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du shirk. Et quand j'ai dit la vérité, j'ai fait une bonne action. Mais le shirk annule les bonnes actions. Subhanallah l'adhim. Dans la première phrase, j'ai juré par Allah, j'ai fait du tawhid. J'ai menti, le tawhid annule les péchés. Ça ne fait rien, le tawhid annule les péchés. Dans la deuxième phrase, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juré par autre que Allah, j'ai fait du shirk. Ensuite, j'ai dit la vérité, j'ai pas menti. J'ai dit, c'est vrai, j'ai 5 euros, j'ai pas menti. C'est une bonne action. Mais cette bonne action est nulle. Il ne vaut rien. Pourquoi? Parce que je suis un mushrik. J'ai juré par un autre que Allah. Allahu Akbar, les savants. Subhanallah al-Azim. Les savants, hein. Justement, c'est ce qu'on va maintenant dire dans le sixième mot. Pourquoi, yani, on fait devancer le tawhid sur toute autre chose? Car Allah Ta'ala a dit, pour certaines gens, qui sont morts sur le shirk. Il a dit, en parlant du Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection, il a dit, « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا » Non, il a dit, nous nous sommes rapprochés de ce qu'ils ont fait, non, ou là nous avons vu ce qu'ils ont fait, et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie, et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Des montagnes de quoi? De Siyam. Des montagnes de Salat. Des gens viendront Yom Qiyamah avec des montagnes de quoi? Des montagnes de monde. Des gens qui ont construit des mosquées. Des gens qui ont payé le Hajj à des gens. Des gens qui ont marié des couples, plusieurs couples. Des gens qui ont construit des écoles. Ils viendront, il y a leurs actions comme ça, comme des montagnes devant eux, Yom al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à toutes leurs œuvres, qu'elles deviennent comme la poussière. Ça devient nul. Pourquoi? Ce sont des gens qui faisaient le grand shirk. Ce sont des gens qui, même en faisant de très bonnes œuvres dans cette vie, qu'est-ce qu'ils faisaient aussi? Ils faisaient le grand shirk. Ils allaient aux tombes, hein, comme
comme beaucoup de nos grands-pères et nos grands-mères, l'âme, ils vont au temple et ils disent aux morts, je suis venu ici spécialement, l'âme, pour te demander de me donner un enfant. Voilà 10 ans que je suis marié, je n'ai pas pu avoir d'enfant. Et ainsi dit Foulain et Foulain, donnez-moi cet enfant et je vous promets que je vais égorger une vache ou un taureau spécialement pour vous. L'âme. Et d'autres iront à la tombe et diront, Ya Sidi Foulan, cela fait maintenant presque 6 mois qu'il n'y a pas de pluie. Nam. Et la pluie, yani, c'est très difficile pour des troupeaux, etc., les animaux, hein, pour nous et les enfants de vivre sans eau. On te demande, yani, de nous faire descendre la pluie. Nam. Car, yani, tu es quelqu'un qui, kada kada, subhanallah, tout cela, c'est le grand shirk. Allah Ta'ala va dire, donc c'est pas moi qui régis, donc c'est pas moi qui commande cet univers, donc c'est pas moi qui crée, qui fait marcher le soleil, qui fait tomber la pluie, qui donne les enfants, qui rend les gens régis. Il y a un autre, il y a d'autres divinités qui régissent avec nous. Donc toutes leurs bonnes œuvres qu'ils ont faites ici vont être annulés au jour du Qiyama. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son livre Madarij Salikin, un livre très important. Naam, très important, inshallah. Et Muslim, puisque tu es avec nous, rappelle-moi ce soir dans le cours, inshallah ta'ala, de parler de ce livre. Naam. Al-Muhim, qu'est-ce qu'il a dit dans ce livre? En citant le verset que je viens de citer, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alna haba'an manthura. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière. Il a dit, ceci, ce verset-là, ne s'applique pas seulement aux mouchriquons, il s'applique aussi aux musulmans qui ont fait de bonnes œuvres et n'ont pas suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, tu veux faire des choses pour Allah, mais tu les fais de ta tête. Tu les fais de ta tête. Alors, Allah Ta'ala va dire, moi, je t'ai pas dit de m'adorer seulement. Je t'ai dit de m'adorer en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai pas dit adorez-moi, khlas. La preuve, pour entrer en islam, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que ça suffit que tu dises, shahadu la ilaha illallah, j'adore Allah? Ça suffit pas. Il faut que tu dises, wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasulah. Et j'atteste que Muhammad, c'est lui, quoi? Yani son serviteur et son messager. Son messager, c'est lui qui a le message. Je dois suivre son message. C'est lui qui me rapproche de toi, ya Allah. C'est lui qui me montre ton chemin, ya Allah. C'est lui qui me montre le chemin du paradis. C'est lui qui me montre comment t'adorer. C'est lui qui me montre comment m'éloigner de, yani, ce qui encourt ta colère. Et comme ça. Si tu veux choisir seulement, shahadun la ilaha illallah, et il n'y a pas, anna Muhammadan Rasulullah, c'est pas accepté. C'est pas accepté. Naam. Enfin, pour terminer, pourquoi on a choisi et on a dit que le tawhid avant tout? Car le tawhid, alhamdoulilah, si quelqu'un ici fait vraiment l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms, de ses attributs, naam, Allah ta'ala lui donne ici déjà la grande récompense qui est quoi? Que Allah ta'ala, yani, va le guider et lui donner la totale sécurité ici. Allah ta'ala dit dans le Coran, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأنعام 82. En français, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par une injustice, ceux-là auront la sécurité et seront les bien guidés. Bien sûr, n'auront pas troublé la foi par l'injustice. L'injustice ici, c'est le shirk, comme l'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui ont cru et n'ont pas fait le shirk, n'ont pas troublé la pureté de leur foi, c'est-à-dire n'ont pas fait l'association. Car on peut croire et, comme j'ai dit, faire de l'association. On peut croire et faire de l'association. C'est comme si, pour que vous compreniez, hein, c'est comme si le tawhid, c'est comme si quelqu'un faisait les ablutions. Hein. Quand tu fais les ablutions, ça ne suffit pas de dire j'ai fait les ablutions. Mais encore quoi? Mais encore faut-il
ne pas les perdre. Si tu fais les ablutions, ensuite tu fais exprès d'aller aux toilettes, ou d'uriner, ou de faire sortir des gaz, est-ce que tu as toujours les ablutions? Tu les as plus, tu les as perdues. La même chose, si tu dis « Shahadu la ilaha illallah, Shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu », c'est comme si tu as fait les ablutions. Maintenant, il faut faire son possible pour ne pas annuler « ilaha illallah », ne pas annuler « anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ». On annule « la ilaha illallah » en faisant quelque chose qui contradit, yani, l'aqidah. Naam. Et on annule Muhammad Rasulullah en préférant une autre personne à lui, ou en préférant une autre voix d'une autre personne à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Maintenant, on va essayer de dire très, très vite quelles sont les différentes sortes de tawhid. Naam. Les différentes sortes de tawhid sont l'unicité de la seigneurie, ensuite l'unicité de la divinité, ensuite l'unicité des noms et des attributs. Très vite. Là. Ceux qui ne connaissent pas ces trois unicités doivent faire tous les efforts possibles du monde pour les connaître. Là. Car en les ignorant, ça veut dire que yani, on a vraiment, vraiment, vraiment un manque dans notre aqida. En ignorant les trois sortes d'unicité, hein, c'est que vraiment, 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 on est loin, hein, dans notre aqida et qu'on a besoin vraiment de demander la science et de travailler notre aqida. C'est pourquoi quoi? C'est pourquoi il est impossible, je dis bien impossible, qu'il y ait une secte égarée qui connaisse ces trois choses. C'est impossible. Ça ne marche pas ensemble. Il est impossible qu'on connaisse ces trois choses, l'âme, et qu'on soit égaré dans la aqida. Et le contraire est vrai. Et il est impossible, l'âme, qu'on soit égaré dans la aqida et qu'on connaisse ces trois choses. Ça ne marche pas ensemble. L'âme. La première, l'unicité de la Seigneurie, Tawhid al-Rububiyya. C'est-à-dire, je dois croire en l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses actes. Non. C'est lui l'unique créateur. Il n'y a pas un autre créateur qui m'a créé, qui a créé le soleil, les étoiles, yani le vent, les montagnes, les mers, non, les insectes, les animaux, tout ce qu'il y a sur ce monde, qui l'a créé. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, Naam, l'unique seigneur de l'univers. Et le seul qui gère, régit et administre cet univers. C'est pour ça, quand tu commences toi à lire dans la salat, qu'est-ce que tu dis? Adulaj ta'arif, salamu alhamdulillahi, rabbil alamin. Louange à Allah, qui? Le seigneur des mondes, rabbil alamin, rabbi. Seigneur de qui? Des mondes. Seigneur du monde des êtres humains. Seigneur du monde des djinns. Seigneur du monde des animaux. Seigneur du monde des étoiles. Seigneur du monde des mers, des soleils, des tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, leur Seigneur. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim, oh Allah, à toi seul toute la louange, tu es le Seigneur des cieux et de la terre. Donc, maintenant, si je reconnais que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le Créateur, c'est lui qui régit, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui fait descendre la pluie, c'est lui qui la fait arrêter, c'est lui qui envoie le vent, c'est lui qui donne des enfants. Tout ça, ça rentre dans quoi? L'unicité de la seigneurie. Le seigneur, le souverain, celui qui régit. Celui qui régit. Pour vous donner un exemple, là. Imaginez une société. Il y a le directeur général ou bien le PDG. C'est lui qui commande, c'est vrai ou pas? C'est lui qui a le premier mot et le dernier. C'est lui qui fait recruter qui il veut et il licencie qui il veut. Ça?
Imaginez que quelqu'un, un petit plantain maintenant, commence à fourrer son nez dans les prérogatives du président directeur général. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne peut pas marcher. Subhanallah l'adem. Il faut qu'il y ait un seul qui croit, c'est lui le souverain. C'est lui qui régit. Il n'y en a pas deux. La même chose ici, c'est juste un exemple. Allah Ta'ala, cet univers, tu as reconnu que c'est lui l'homme qui t'a créé. C'est lui qui régit aussi cet univers. Rien ne se passe sur ce monde sans la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Al-Sunnah dit « Masha Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. » Ce que Allah Ta'ala veut aura lieu. Ce qu'il ne veut pas n'aura pas lieu. Non. Donc maintenant, si tu reconnais tout cela, ensuite tu vas demander à un autre que lui de faire descendre la pluie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas l'unicité de la Seigneurie. Ça veut dire que tu mens, tu es un menteur quand tu dis je reconnais que Allah Ta'ala a l'unicité de la Seigneurie. C'est pas vrai. Tu reconnais qu'il y a un autre qui gère avec lui, qui fait tomber la pluie. Et l'autre reconnaît qu'avec lui, qu'avec Allah Ta'ala, il y a un autre qui gère, qui donne des enfants. Et l'autre reconnaît qu'il y a un autre qui gère, qui guérit. Tu es malade, tu vas chez le mort, il te guérit. C'est comme ça. Donc ça c'est quoi? L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la Seigneurie. Ça veut dire dans ses actes à lui. C'est pas dans mes actes. C'est pas ce que je fais moi, non. C'est ce que fait Allah. C'est lui qui donne, c'est lui qui meurt, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui fait tomber la pluie, c'est lui qui. Tout ça, ça s'appelle les actes d'Allah, la Seigneurie. Ensuite, la deuxième sorte, c'est l'unicité d'Allah. Dans quoi? Dans mes actes, moi. Ça s'appelle Tawhid al-Uluhiyya. Ça s'appelle aussi Tawhid al-Ibada. Non, le tawhid de l'adoration. C'est ce qui signifie que je ne dois adorer qu'Allah Ta'ala. Donc maintenant, ça a rapport avec moi. Ça a rapport avec moi, mes actes. Tout ce que je fais comme adoration doit être pour Allah. Si je prie, je prie pour Allah. Si je jeûne, je jeûne pour lui. Non. Si je vais au Hajj, pour lui. نعم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إلا رب العالمين. Tu reconnais محياي. Tu dis je reconnais ma vie, toute ma vie c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala رب العالمين. Tout ce que je fais dans cette vie comme adoration, je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne fais rien d'autre, نعم, pour une autre divinité. Je ne fais d'adoration que pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Et quand je dis adoration, ce n'est pas seulement yani faire le wudu et faire la prière. N'oubliez pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quoi? Il dit inna l'ibada, il dit l'ibada, ta'afun, ad-du'a huwa l'ibada. Il dit ad-du'a huwa l'ibada. La du'a, c'est l'adoration. Tu vois, quand tu fais des du'a en demandant à une personne, qu'elle soit la personne vivante ou morte, si tu lui demandes une chose que seul Allah Ta'ala peut donner, tu n'as pas fait quoi? Tu n'as pas fait deux choses. Tu n'as pas fait l'unicité de la Seigneurie, car tu n'as pas reconnu que c'est Allah Ta'ala le Seigneur. C'est lui qui donne cette chose. Tu as été vers une autre personne et tu as demandé, elle est wahda. Et tu as fait quoi? Et tu n'as pas fait l'unicité de l'ulouhiyya, de l'ibada, de la divinité. Pourquoi? Je donne un exemple. Je dis à quelqu'un, par exemple, donne-moi un bout de pain. Donne-moi un bout de pain. Est-ce que la personne elle peut me donner un bout de pain ou elle peut passer là, du pain avec elle? Ou là, elle est à la maison. Là. Elle peut me donner. Donc j'ai pas fait du shirk. Mais si je demande maintenant à une personne, je lui dis, donne-moi un enfant.
donne-moi un enfant, je suis stérile. Alors que seul Allah subhanahu wa ta'ala donne dans les enfants. Là, je dis à quelqu'un, donne-moi la pluie par exemple. Cette chose ne peut la donner que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc moi, quand je demande aux gens une chose, je vois si la chose a dit, ils peuvent la donner ou pas. Si c'est une chose que les gens peuvent donner, c'est pas du shirk. Si c'est une chose que les gens ne peuvent pas donner, ça rentre dans le shirk. C'est pour ça que, regardez, par exemple, si je sens, par exemple, je vais tomber ou là, il y a quelqu'un qui est juste devant moi ici, je lui tends ma main, je lui dis aide-moi, pour que je ne tombe pas. Je lui dis aide-moi, pour ne pas tomber, je lui ai tendu ma main. Parce que c'est du shirk ou là, c'est pas du shirk. C'est pas du shirk, hein. Parce que cette personne peut m'aider. Je n'ai pas demandé une chose que seul la Ta'ala peut faire. Ça. Et si maintenant, avant de tomber, j'ai tendu ma main à quelqu'un, par exemple, qui n'est pas là. La personne n'est pas présente devant moi. Et je cite son nom et j'ai dit aide-moi. Que ce soit mon père, que ce soit ma mère, que ce soit un ami. Ça entre dans le shirk. Si la personne était présente, ce n'est plus du shirk. Parce qu'il peut faire quelque chose. La personne étant absente, elle ne peut pas t'aider. Comment donc tu l'as appelé, tu l'as invoqué son nom pour qu'elle t'aide. Et aussi, si la personne est présente, mais ne peut pas aider. C'est comme si tu demandes, par exemple, tu vas tomber, tu demandes de l'aide à quelqu'un qui est là devant toi à un mètre, mais il est par exemple amputé. Il n'a ni les mains, ni les pieds. Non, mais il est paralysé. Tu lui dis aide-moi. Tu sais que celui-là ne peut pas t'aider. Donc, tout ça, c'était quoi la deuxième des choses? C'était l'unicité dans l'adoration. Dans l'adoration. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'az au Yémen, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit que la première chose à laquelle tu appelles les gens soit d'attester que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah, rapporté par musulmans. Regarde, je vais t'envoyer au Yémen pour appeler les gens à rentrer en islam. Je te demande de quoi? De commencer par le tawhid. Que la première chose à laquelle tu appelles les gens soit quoi? Soit d'attester que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que surtout vous qui êtes dans un pays de mécréance, vous faites la grande faute lorsque, en faisant la da'wa au kuffar, vous commencez par des choses qui ne sont pas prioritaires. Vous faites la grande faute lorsque vous faites la da'wa à un kafir et vous commencez par lui parler du qamis ou bien du siwak ou bien de la barbe. Ce sont toutes des choses importantes mais pas prioritaires. Elles sont importantes, non, mais ce n'est pas prioritaire. La première chose, c'est que je lui fasse comprendre c'est quoi l'islam. C'est quoi cet islam? Cette personne qui vient de rentrer en islam, et ou là, si elle veut rentrer, elle est pleine de shirk. Elle est pleine de shirk. Je suis sûr qu'elle atteste que Jésus, c'est aussi le Fils d'Allah. C'est pour ça que les savants disent, parmi les conditions, si un chrétien rentre en islam, parmi les conditions, ça ne suffit pas qu'il atteste qu'il y a divinité, qu'il mérite l'adoration, que Dieu, que Allah et que Mohammed est son messager. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Il faut qu'il l'ajoute et que j'atteste que Jésus, c'est un serviteur d'Allah et un messager. C'est-à-dire que ce n'est pas son fils. Jésus n'est pas le fils d'Allah. Parce que pourquoi? Il peut rentrer en islam, il dit oui, c'est vrai. J'atteste que c'est seul Allah qu'on doit adorer. J'atteste que Mohammed c'est le dernier messager, d'accord? Et dans son cœur, il y a toujours Jésus, c'est le fils d'Allah. Dans ce cas, à quoi ça sert qu'il rentre en islam? À quoi ça sert qu'il prie, qu'il jeûne et qu'il aille au hajj et il reste des années comme ça à perdre son temps? Il faut d'abord qu'il comprenne c'est quoi l'islam. L'islam, c'est adorer seul le Seigneur, seul. Ni fille, ni fils, ni femme, ni enfant. Il faut qu'il... Donc, quand je commence avec quelqu'un pour le faire entrer à l'islam, je fais comme faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, que soit la première chose à laquelle tu appelles les gens, le fait d'attester que nul ne mérite d'être adoré, sauf Allah. Non, je commence par ça. Je commence pas avec un chrétien
pour lui parler que faut rentrer en islam et yani mettre le khamis et mettre la barbe et il faut aller yani passer par là. Non, je commence par lui apprendre la aqida. Je commence par lui apprendre la aqida. Ensuite, lui, quand il commence à s'y plaire et à trouver la foi yani dans son cœur qui augmente et à trouver la douceur de la foi, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que c'est lui qui viendra yani te demander est-ce que je fais cette chose ou je fais pas, est-ce que je fais cette chose ou je fais pas, et comme ça l'âme et vous ceux qui suivent bien la guidée du prophète sallam yani dans sa dawa, sûrement que yani savent ce que je suis en train de dire, que quelqu'un quand il rentre en islam, que vraiment Allah ta'ala lui ouvre sa poitrine et son cœur, l'âme, c'est lui-même qui cherchera à comprendre, c'est lui-même qui te dira yani, aide-moi, je veux me rapprocher d'Allah, aide-moi, je veux sortir des ténèbres, aide-moi, dis-moi cette chose est haram ou est halal, et comme ça. Non. Donc, reste quoi? Reste le tawhid de yani, la troisième sorte de tawhid, c'est le tawhid de attendez une seconde, là, faut que je vais écrire avec quelqu'un. Le tawhid al-asma wa sifat, le tawhid, l'unicité dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu azza wa jal. Naam. La troisième sorte, c'est l'unicité, le tawhid, dans les noms d'Allah azza wa jal et ses attributs. L'asma wa sifat, l'asma wa sifat, ce qui signifie attribuer véritablement à Allah tout ce qu'il s'est lui-même attribué dans son livre, ou bien ce que son messager lui a attribué dans les hadiths authentiques, sans changement de sens, ni comparaison, ni anthropomorphisme, ni négation, ni ressemblance. Beaucoup de musulmans sont très faibles dans ce genre de tawhid et d'unicité. Beaucoup, je dis beaucoup. Il y en a même qui donnent des cours en islam, mais sont vraiment faibles dans l'unicité, quoi, des noms et des attributs. Il y a des gens qui donnent des cours en islam, tu lui demandes une petite chose sur les attributs et les actes de Allah Ta'ala, il ne sait pas. Tu lui demandes de faire la différence entre yani, un attribut de l'acte et un attribut de l'essence, il ne sait pas. Pire encore, tu lui dis que Allah Ta'ala a tel attribut, il te dit non, il ne l'a pas. Il n'a pas tel attribut. Il ne sait pas. Subhanallah al-Azim. Par exemple, quand on parle du tawhid dans les noms et les attributs, par exemple, l'élévation d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu'il est au-dessus du trône, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, Rahman, il a dit Rahman, ala l'arshi stawa, Ar-Rahman, ala l'arshi stawa, l'élévation du trône, naam. Istawa en arabe signifie s'élever, il s'est élevé. Qui a rapporté ça? Bukhari dans son sahih. Bukhari dans son sahih a dit istawa s'est élevé. D'après quoi? D'après la compréhension des tabi'in, des enfants, des élèves, des compagnons. Naam. Quand on parle d'élévation et que la Ta'ala est au-dessus des cieux, naam, beaucoup nient cela. Beaucoup de musulmans nient cela. Naam. Ils disent, si je vais dire il est au-dessus des cieux, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'ai mis dans une place. Ils disent, non, beaucoup de musulmans, ils ne veulent pas reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala se trouve où? Se trouve au-dessus des cieux. Pourquoi? Ils disent, si on dit que Allah ta'ala est au-dessus des cieux, ça veut dire que j'ai mis Allah subhanahu wa ta'ala, quoi? Dans une place. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah ta'ala a écrit un livre avant de créer la création. Ce livre se trouve auprès de lui, au-dessus du trône. Apporté par qui? Apporté par Bukhari. Donc,
pour ceux qui disent que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône, on leur dit alors, qu'est-ce qu'on fait du hadith aussi du Bukhari, qui dit que Allah Ta'ala a écrit un livre, et que son livre est auprès de lui au-dessus du trône. Bon, vous dites que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône. Et son livre aussi n'est pas au-dessus du trône, puisqu'il a dit qu'il l'a laissé, il a écrit un livre, et que ce livre est auprès de lui, auprès du trône. Si vous dites si, le livre est auprès du trône, mais pas Allah, on dit à quoi ça sert à un livre d'être tout seul et aller au-dessus du trône, et Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône. Que fait le livre là-bas, miskin, tout seul? Naam. Comme la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala vers ce ciel, le ciel d'ici-bas. Chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend. Naam. On ne dit pas comme les égarés que ce n'est pas Allah Ta'ala qui descend. C'est un ange qui descend. Ou bien c'est sa rahma qui descend. Naam. Mais on dit c'est lui Azza wa Jalla qui descend, c'est lui. Car il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la tawbah? J'accepte la tawbah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande une chose? Je la lui donne. Et la rahma n'est pas un dieu pour qu'elle dise je donne. C'est Allah qui donne. Et la rahma ne parle pas. Mais c'est Allah Ta'ala qui parle. Comprenez? Il y a des gens qui disent à quoi ça sert que je sache que Allah Ta'ala par exemple descende, à quoi ça sert que je sache que Allah Ta'ala est au-dessus du trône, à quoi ça sert que je sache que Allah Ta'ala a deux mains, a deux jambes, a deux yeux, tout ça, à quoi ça sert que je le sache? On va dire, donc Allah Ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que d'après toi donc, ils ont cité ces choses, yani futilement? Ça n'a pas d'importance. Allah Ta'ala a cité ça dans le Coran et a dit à son messager, va dire aux gens telle et telle chose futilement. Non, pour perdre du temps. Ça n'a pas d'importance. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez bien. C'est pas le genre qui parle des choses futiles. Même quand il ne plaisante que dans les choses yani, sérieuses. Il plaisante pas comme nous, yani, on s'assoit, on commence à faire des blagues, étape 5, je ne sais pas quoi. Le prophète Hassan n'avait pas ces choses. Imaginez que le prophète Hassan maintenant parle dans la aqida. Tu dis que Allah Ta'ala descend. Allah au-dessus du trône. Allah a deux yeux. Allah a deux mains. Est-ce que ça veut dire qu'il est en train de passer le temps d'être plaisanté avec nous? Jamais de la vie. Hachah. Hachah. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et, bien sûr, plus, ou la disant moins tu connais des actes et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, moins tu as connu Allah. Et moins tu as connu Allah, moins tu l'as aimé. Quand tu ne sais pas que Allah ta'ala a deux yeux, non, donc, tu ne sais même pas qu'il est en train de te regarder. Et si tu ne sais pas qu'il est en train de te regarder, donc tu peux faire des choses et dire que Allah ta'ala ne voit pas. Allah ta'ala ne voit pas. Non. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim, il dit que, comme disent des savants, même le chef islam le dit, il dit, « Al-mu'attila ya'buduna adaman » Les gens de la négation, les négateurs d'Allah, des attributs d'Allah, comme l'Ahbash et les autres, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent le néant. Ils adorent le néant. Ils adorent, yani, leur adorer, leur Dieu n'a pas d'attributs. Enfin, j'adore Allah, c'est quelque chose qui s'appelle Allah, je dois l'adorer quand je meurs, il va me rentrer au paradis, ikhlas, c'est ça, j'adore Allah. Comment Allah, subhanahu wa ta'ala, que tu adores? Je sais pas, moi-même j'adore Allah, il faut pas parler de ces choses. Comme ça ils disent, masakin, yani comment on dit, muflisun dans la aqida. Des gens qui ont fait faillite dans la aqida. Ils ont fait faillite dans la aqida. Mu'attila, les négateurs, adore le néant. Et Mushabbiha, les ressembleurs, les anthropomorphistes, qu'est-ce qu'ils adorent? Yabuduna Sanama, ils adorent une statue. La Mushabbiha, ils ont dit que Allah Ta'ala a des mains qui ressemblent à nos mains, des yeux qui ressemblent à nos yeux. Ah, mais il descend comme nous on descend. Khlas, Allah Ta'ala pour eux c'est une statue. Donc, Al-Mu'attila, Yabuduna, ils adorent le néant, Mu'attila Yabuduna Adama, Mushabbiha Yabuduna Sanama, et Ahl Sunnati Yabuduna
إلها فردا صمدا. الأهل السنة والجماعة يدعون الله سبحانه وتعالى أونيك وصمد، يعني dans toutes les créatures ont besoin de lui. Voilà inshallah ta'ala pour ce que je voulais dire en gros sur la aqida et son importance inshallah ta'ala. Il va rester 10 ou là un quart d'heure pour la salat ici chez nous. Si vous avez des questions inshallah ta'ala, on commence par les gens de Toulouse inshallah ta'ala, et surtout d'abord s'il y a des questions sur ce qui a été dit bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجلس إن شاء الله. الحمد لله. نعم شيخ. donc il y a quelques questions. Par contre, est-ce que vous les voulez une par une ou là en série de cinq? Très bien, cher. Une par une, inshallah. نعم إن شاء الله. notre première question. السلام عليكم الشيخ. نبغى نشوف شو زي اللي عندك سؤال على إن شاء الله. de préférence. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ. concernant les suites de la tombe. quels sont les suites? quels sont les exemples? ils sont des éléments pour la bonne et mauvaise âme. Si on est caché dans la tombe, est-ce que c'est une expiation pour l'enfer? Barbaro Lofegum. Très bien, Bachir. Alhamdulillah. Vous les récits de la tombe, et on en a beaucoup. On en a beaucoup. Et cela dépend de la personne qui va chachatier. Cela dépend de la personne qui va chachatier. Si c'est un chachateur, ou bien un musulman. Un musulman qui a fait les grands péchés. Non. Ensuite, même si on les prend les grands péchés, eux-mêmes, il y a une sentence pour le même degré. Même les hommes par eux-mêmes, il y a des coffres, et il y a un pas dans le même degré de coffre. Par exemple, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, c'est un kafir, il est mort kafir. Mais ce n'est pas comme son autre oncle, qui est Abu Lahab, qui est son frère, il est aussi mort kafir. Mais le premier a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Et le deuxième, il a combattu le prophète alayhi wa sallam toute sa vie. Donc dans la tombe pour les deux, ce n'est pas pareil. La même chose pour les musulmans. Même il y a beaucoup de supplices là-bas, comme des côtes yani, qui vont sortir des vertèbres qui vont sortir yani du ceux de la gauche vont sortir du côté droit, ceux du côté droit vont sortir du côté gauche. Et ensuite il y a quoi? Il y a le grand châtiment quand va venir Nakir ou Munkar. Il va poser la question et ils ne vont pas pouvoir répondre. Et ils vont être frappés. Ils vont être frappés avec une massue. Il y en a d'une frappe que c'est tellement fort et ça fait tellement de bruit que tout le monde entendra sauf les êtres humains. Tout le monde entendra yani, sauf les êtres humains, comme dans le hadith sahih. Ensuite un autre châtiment, on va lui montrer quoi? On va lui montrer sa place en enfer, et avant cela on va lui montrer sa place au paradis. On va lui dire: regarde, si tu avais obéi à Allah Ta'ala, qu'est-ce qui t'aurait réservé? Ensuite on lui ferme cette porte et on lui ouvre une autre porte
on va lui montrer sa place en enfer. On va lui dire, mais maintenant que tu n'as pas adoré Allah et que tu as yani, adoré Shaitan, regarde ta place qui t'attend en enfer. Donc ça va faire quoi? Ça va faire deux grands châtiments. Non seulement le châtiment de voir sa place en enfer qui t'attend, qui l'attend, mais encore le châtiment de lui avoir montré sa place au paradis et on la lui a enlevé. Vous voyez, c'est très grave. Ce n'est pas seulement lui dit voilà ta place en enfer. Il va dire, dans mon cœur, je savais que j'allais aller en enfer, je savais. Mais maintenant, il dit, regarde le paradis. Il va croire qu'il va y rentrer. Il y a de l'espoir. Ah bon? Ensuite, on lui enlève le paradis, on lui dit, regarde l'enfer qui t'attend. Pour que vous compreniez un peu, imaginez une personne qui passe son baccalauréat. Ensuite, elle va voir les résultats, elle ne va pas trouver son nom. Qu'est-ce qu'elle va dire? Qaddara Allahu ma sha fa'al. Même moi, j'avais des doutes, j'avais pas bien travaillé. Mais maintenant, imaginez un autre cas. Une personne qui a passé son baccalauréat, elle va voir les résultats. Elle va trouver son nom. Alhamdoulillah. Elle avertit tout le monde. Elle commence à téléphoner. Elle prépare la fête. Ensuite, on lui dit, on s'est trompé. L'âme. Il y a une erreur dans le nom. C'est pas toi qui as le bac, c'est une autre personne. Qu'est-ce qu'elle va sentir? Dites-moi. C'est vraiment, vraiment, il y en a des ans. Là-bas, c'est juste pour le bac. Qu'en est-il? On te montre ton paradis. Ensuite, on t'enlève. On t'enlève ta place au paradis. On te dit, c'est l'enfer qui attend. Ensuite, il y a un serpent. Naam, un serpent que Cheikh Ibn Ashmour Al-Bani Rahimallah qui appelle ça un dragon. Un dragon, naam, qui a je ne sais pas combien de mille de têtes. Des têtes de serpent comme ça. Chaque serpent qui va mordre cette personne. Et ensuite, pour terminer, il y a une mauvaise, très 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 mauvaise personne, très laide, très vilaine, qui a une très mauvaise odeur, qui viendra rester avec cette personne jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du châtiment de l'enfer, de la faune, de la tombe. Ensuite, c'était quoi la dernière question par rapport à la tombe? Il y avait une autre question par rapport à la tombe. C'est quoi? Non, donc elle a dit si on est châtié dans la tombe, est-ce que c'est une expiation pour l'enfer? Tfadal Cher. Non, pour le musulman, alhamdoulilah, pour le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala, non, si cette personne faisait les péchés, pas devant tout le monde, et ne se vantait pas de faire des péchés devant tout le monde, car il y a des gens qui se vantent, ils disent, regardez, moi je fais la zina, moi je bois l'alcool, moi j'ai pas peur. Non, si c'est une personne qui faisait normalement des péchés, yani tout en se cachant, etc., celle-là, son expiation sera dans la tombe. Sinon, si elle faisait des péchés comme ça, pour se vanter, celle-là, Allah Ta'ala, yani, va quoi? Va la châtier dans la tombe et dans l'au-delà. Que Allah Subhanahu wa Ta'ala nous préserve. Et tu fais l'autre question, Inch'Allah. J'ai lâché le micro, Fadla. Non, Michel, j'ai lu la question. La question, Inch'Allah. Donc la personne dit, Assalamu alaikum, Shir. Pouvez-vous répéter quels sont les attributs d'Allah dans leur totalité, Inch'Allah? Fadla, Shir. C'est impossible, Nam, de... de dire maintenant quels sont tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. Pour connaître les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala,
il pourra s'y faire des cours de Aqida au moins, disons, 3 années. 3 années, chaque fois on explique un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'âme, avec les délits, les détails, etc. Donc, yani, je ne comprends pas ce que veut dire exactement la personne. Très bien. Naam, donc on passe à la question suivante, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Quand on est éprouvé, on dit Allah t'aime car il t'éprouve. Mais quand on fait des péchés, il, Allah Azza wa Jal, nous éprouve aussi. Donc comment sait-on si l'on est éprouvé parce qu'il nous aime ou parce qu'on lui désobéit? Barakallahu fikum, Cheikh. Non, c'est pour les personnes qui me demandent si c'est mon fils, c'est pas mon fils, c'est mon neveu. Très belle chère. Est-ce que ton neveu Ada, est-ce qu'il peut répondre à ma question? Est-ce qu'il peut répondre à la question à Mouslim? Il peut. Ou là, il ne sait pas encore. Miskin, Marish. Allah subhanahu wa ta'ala l'aide. Pas encore. Alhamdulillah. Pour répondre à la question, je dis, quand quelque chose nous arrive, ou l'arrive à une personne, on voit. Comme ça disent les savants, ils disent on voit. Si la personne est une personne pieuse, qui fait tous les efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il lui arrive quelque chose comme ça, on dit, c'est une épreuve. Et si la personne, c'est une personne qui n'est pas pieuse, qui est perverse, et qui du matin au soir, désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui arrive une chose, on dit c'est un malheur qui lui est arrivé. Comme ça, en règle générale. Sinon, il y a des exceptions, Inch'Allah ta'ala. Très bien. Donc, question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Shekhana. Beaucoup de personnes écoutent les prêcheurs. Ils savent que les savants ont mis en garde contre eux, mais ils prétendent qu'ils peuvent discerner le vrai du faux. Est-ce une attitude correcte, Barakallahu fikum, de nous éclaircir, Cheikh? Très belle, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je voudrais attirer l'attention de mes frères et de mes soeurs sur la question qui vient d'être posée, parce que c'est une question vraiment importante. Car quand les savants mettent en garde contre quelqu'un, il y a des personnes qui disent moi je peux l'écouter parce que alhamdoulilah j'ai le niveau qui me permet de discerner ces fautes de ces choses qui sont bien. Et moi je leur dis, Inch'Allah ta'ala, que ça, le fait de dire cela, c'est une faute aussi. Pourquoi? Parce que premièrement, quelle est la preuve que tu peux tout discerner? Il y a des choses que tu ne connais pas, et qu'en entendant cette personne, tu vas les avaler. Deuxièmement, en assistant à une personne dont les savants ont mis en garde, à force de lui assister, tu vas quoi? Sans le vouloir, tu vas pencher cette personne. Tu vas l'aimer. Ensuite, ce sera difficile de toi de te détacher de cette personne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu la défendras. Même si on dit du mal de cette personne, elle a des égarements dans telle et telle chose, tu dis non, c'est pas vrai, je l'ai entendu, j'ai l'habitude de l'entendre, et il dit pas ces choses, et comme ça. Les savants sont les héritiers des messagers, comme a dit le prophète alayhi sallam. Quand un savant te donne yani, un ordre, c'est comme si le messager sallam était vivant et il t'a dit ne fais pas cette chose. Non. Donc je conseille aux gens d'éviter les gens sur lesquels il y a des mises en garde.
parce que ces gens-là, sans le vouloir, ils vont te dire des choses fausses, mélangées avec des choses de bien. Ils vont te mettre le poison, comme on dit, dans le miel. Dans le miel. Regardez, prenons par exemple, seulement, je donne un exemple très simple. Prenons l'exemple de Amrou Khaled. Amrou Khaled, très connu. Il s'assoit, il va faire des dos, les gens vont pleurer, vont tirer leurs mouchoirs, vont essuyer leurs larmes, vont ceci, vont cela, l'âme. Mais, si tu n'as pas de science, c'est un nécessaire, comment tu vas savoir si ce qu'il, le hadith qu'il vient de citer, s'il est vrai ou faux? Il s'est basé sur un hadith maintenant. Il a dit, le prophète est rentré à l'essentiel chez Aïcha, il lui a dit ceci, il lui a dit cela. Toi, d'où tu sais? Tu connais tous les hadiths pour savoir que ce hadith, s'il est vrai ou s'il est faux. Non. C'est pour ça que la personne doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigner des gens dont les savants ont fait des mises en garde. Allah ta'ala alam, tfaddal. Non, donc on passe à la question suivante, Inch'Allah. Donc de préférence, Inch'Allah, si les admins ont des questions sur le cours, Inch'Allah, faites-les moi parvenir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Pouvez-vous nous donner une description d'Allah, Inch'Allah wa barakallahu fikum. تفضل شيخ. سي هذه cette question revient à la première ou la celle de tout à l'heure qui dit quels sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs. Plus on connaît ces noms et ces attributs par détail, plus on aime Allah subhanahu wa ta'ala et plus quoi, plus on le vénère. On sait que vraiment il est azim et qu'il mérite l'adoration. C'est pour ça que ceux qui ont la foi faible, non, parce qu'ils n'ont pas dans le cœur l'azama, la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est vraiment azim. Ils savent même pas ce qu'il sait Allah ta'ala. Ils adorent un Dieu au khlas, ça s'arrête là. Ils ne connaissent pas par détail. Remarquez que quand quelqu'un, par exemple, veut aller travailler dans une société. Là, vous ne remarquez pas qu'il voudrait, si c'est possible, qu'il sache son supérieur. Il voudrait qu'il sache c'est qui. C'est mon supérieur qui va le commander, quels sont ses qualités, quels sont ses défauts, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, pourquoi son responsable. Voilà, pour qu'il y ait affinité. Si je sais que mon responsable n'aime pas la cigarette, si je fume, donc je n'ai pas fumé devant lui. Si je sais que mon responsable n'aime pas ceux qui sortent avant l'heure, je fais mon possible pour ne pas sortir avant l'heure. Si je sais que mon responsable n'aime pas celui qui parle au téléphone, je parle pas au téléphone. Et comme ça. Maintenant, qu'en est-il pour Allah subhanahu wa ta'ala? Plus tu le connais, plus yani, tu connais aussi ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, plus tu l'adores avec quoi? Avec clairvoyance et avec yani halawa aussi, douceur dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et dans la Sunna, c'est décrit à ses serviteurs. C'est décrit. S'il était le miséricordieux, le très miséricordieux, le bon, le pudique, c'est tir, n'am. Celui qui descend la nuit, celui qui nous bêche, celui qui sourit, celui qui rit aussi, bahik. Celui qui a deux mains, deux yeux, au moins des mains, des attributs qu'il faudrait, comme j'ai dit, connaître par détail pour aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on est obligé de quoi? C'est pour ça qu'on revient toujours à notre cours, d'où l'importance de la aqida, d'où l'importance de commencer par la aqida, l'importance de commencer par la aqida. Ici chez nous, il a appris à Salat al-Asr depuis à peu près 5 minutes. Tu dois partir pour revenir, Inch'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si j'ai bien compris, la personne dit que
Après, on est en train de parler d'une personne qui n'est pas d'aïe. Donc, d'une personne normale. Normale, une personne qui fait ni les cours ni rien. Et qui dit qu'elle a des choubouettes, etc. Comment on doit se comporter avec elle? Un ami, voilà. On doit se comporter avec lui, hein, avec sagesse et science. Avec sagesse et science, on lui montre, hein, quelles sont les fautes que. Qu'il est en train de faire. Non. Quelles sont les fautes, et comme ça, mais pour que les gens acceptent de nous, il faudrait qu'on leur parle avec sagesse, science. Je ne fais pas de lui un ennemi tant qu'il ne s'est pas encore déclaré comme ennemi à moi et à mon ménage. Quelqu'un qui reconnaît, aime m'écouter et aime que je lui donne des conseils, et ça, celui-là, je dois, au contraire, là, le rapprocher de moi au maximum pour que ma dawa ait un impact sur son cœur, pour qu'il accepte. Les gens aiment quand ils savent et ils sentent qu'on veut leur faire du bien. Donc, je commence pas par lui dire des mots mal placés, ni par l'insulter, ni. Mais je parle avec science, avec sagesse, je lui montre que je lui veux du bien, je lui montre que moi aussi. Dans mes débuts, j'étais comme lui, je lui montre ce que disent les savants, je lui montre comme ça, gentiment, non, pas d'un seul coup, pas brutalement, pas avec violence, pas je dis, ou bien tu me suis, ou bien c'est terminé entre nous, doucement, avec rythme, avec sagesse. Pourquoi? Tout cela parce que, comme a dit celle qui a posé la question, elle a dit que ce n'est pas un deuil, il y a une différence entre quelqu'un qui fait la dawa, et quelqu'un qui ne la fait pas. Il y a une grande différence, disent les savants. Donc c'est comme ça qu'on doit aller avec prudence, avec sagesse, avec science, et petit à petit, inshallah ta'ala, il comprendra, bi'idhnillah ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du bien. Tafadhal. Question de Moha. C'est une question sur la aqidah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Quelles sont les conséquences de celui qui œuvre sans maîtriser le tawhid, la aqidah? Wa barakallahu fikum. Tafadhal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelqu'un qui œuvre, man, si tu as bien dit, quelqu'un qui œuvre sans bien maîtriser la aqida. Si tu as dit comme ça, je réponds inchallah ta'ala en disant la meilleure des œuvres, man, c'est de faire l'apprentissage de la aqida. Quand je n'apprends pas ma aqida, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis toujours enclin et passible. Passible de me trouver demain en enfer et même éternellement. Il se peut que sans le vouloir, de par ma grande ignorance, je vais faire le grand shirk. Et je crois, je sens que je suis dans la bonne voie. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Il a dit ceux-là qui dans cette dunya, ils étaient vraiment dans la perdition, mais qui croyaient qu'ils étaient dans la vraie voie. Ils croyaient. Donc on peut croire. Comment se fait-il qu'on croit? Allah Ta'ala dit dans un autre verset, « وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ » Il a dit, « Et le shaitan leur a embelli leurs actions. » Il a dit dans un autre verset, « أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَ اللَّهُ يُذِلُّ مَنْ يَشَوْهِ دِمْ يَشَوْهِ. » Il a dit, et qu'en est-il de celui que et qu'en est-il de celui qui ses mauvaises œuvres ont été embellies? Ensuite, il a dit, Inna Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, égare qui veut, guide qui veut.
Donc, la personne qui fait des œuvres, l'âme, qui croit faire de bonnes œuvres, si elle n'est pas dans la aqida et dans la vraie, l'âme, il est possible qu'elle ait, qu'elle soit en train de perdre son temps. Alors que le contraire, si elle connaissait la aqida et même les autres œuvres étaient plus ou moins yani, vraies ou fausses, l'âme, Allah Ta'ala a dit, son prophète a dit que Allah Ta'ala yani, excuserait le Qiyamah celui qui a le bon tawhid s'il fait des péchés et s'il a fait des péchés. Mais ce n'est pas comme s'il n'a pas fait le tawhid et quoi et il a fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas la base, vous comprenez? Quelqu'un qui n'a pas la base, je suis en train de construire une maison sur du sable. Pire, je suis en train de la construire sur du sable mouvant. Sur du sable mouvant. L'âme, je peux faire le grand shirk et je ne sais pas. Je peux rendre la terre en colère contre moi, je ne sais pas. C'est pour ça que, quand je connais bien le tawhid, je maîtrise. Je maîtrise maintenant ma aqida, j'ai la base. Tout ce qui va venir, si la base est bonne, sera bon, inshallah ta'ala. Mais si la base n'est pas bonne, tout ce qui va venir ne sera pas bon. Comment imaginer qu'une chose, yani, dont la base n'est pas bonne, elle-même la branche soit bonne? C'est pas possible. Est-ce qu'un arbre, par exemple, qui n'est pas un arbre de fruits, non, yani, si je l'arrose beaucoup, il va donner des fruits? C'est pas possible. Pour qu'il donne des fruits, il faut qu'à la base, j'ai planté un arbre qui donne des fruits. Non. Donc je donne conseil à tous mes frères et mes sœurs, quoi, qu'ils mettent la aqida entre leurs yeux, l'apprentissage de la aqida. D'abord la aqida. La aqida avant tout. Non. Qu'ils mettent ça entre leurs yeux. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en envoyant Mu'adh, qu'est-ce qu'il lui dit? Que la première des choses soit, inshallah ta'ala, que tu leur apprennes hein, qu'ils connaissent Allah. Le hadith se trouve dans le muslim. فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يَعْرِفُ اللَّهِ. Comme ça. Fadda. Muslim, je dis ça là et tu prendras la suite juste après. Je te dis où j'en suis. Assalamu alaikum, cher. Que doit-on dire à une personne qui dit savoir qu'Allah a des yeux, des mains n'est pas important et que cela nous n'est pas important et que cela ne nous rapprochera pas d'Allah? Savoir qu'Allah a des yeux, des mains n'est pas important et que cela ne nous rapprochera pas d'Allah. Fadal, cher. Quelle est la différence entre les noms et... La question n'est pas comprise, Akhil Karim. Naam, cher. Donc, assalamu alaikum, cher. Donc, demande, qu'est-ce qu'on doit dire à une personne qui dit que Allah, il a des yeux, des mains, et que c'est pas important et que cela ne rapprochera pas d'Allah. Je comprends pas comment d'un côté tu dis qu'il dit que Allah Ta'ala a des yeux et des mains, et de l'autre tu dis que c'est pas important. Je n'ai pas compris. Inch'Allah, j'ai compris la question des mains, je vais l'expliquer. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, la question, cher, la personne dit le fait de savoir qu'Allah a des mains, des yeux, il a une bouche, de toute façon, de le savoir ou pas, cela ne permet pas de se rapprocher d'Allah. De le savoir, de ne pas savoir, c'est la même chose. Il n'y a aucun avantage. Ok, bénéfice. À très belle chère.
maintenant j'ai compris la question. Premièrement, dans la question, je crois pas qu'il y a dans la question le mot bouche, je crois pas. Parce que l'Allah Ta'ala, on ne dit pas de lui qu'il a une bouche. Al-Muhim. Disant que le fait que l'Allah Ta'ala ait des yeux et des mains, yani, c'est pas très important d'après celui qui a posé les questions, et que yani, ça ne rapproche en rien. Voilà. Je dis Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il est que quelqu'un qui sait ce que c'est la aqida et l'importance de la aqida dise une chose pareille. Il est impossible. Je répète, il est impossible qu'une personne connaisse l'importance de la aqida, l'importance du tawhid dans l'islam en général, dans la da'wa du prophète alayhi sallam, dans la da'wa de tous les messagers et dans l'importance demain quand on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on lui dise cela. C'est impossible. Car comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il n'y a pas, comme disent les savants, Ashraf al-Ulum, les meilleures sciences de toutes les sciences islamiques comme la Aqida. Ashraf al-Ulum, les meilleures sciences de toutes les sciences islamiques, c'est quoi? C'est d'abord la Aqida. Et dans la Aqida, ça rentre le fait de parler d'Allah, le fait de parler de l'enfer, le fait de parler de la tombe, de parler du bassin, de parler du sirat, de parler. Tout ça, ça rentre dans la Aqida. Et dans toute la Aqida, ce qu'il y a de plus honorable et de meilleur, c'est quoi? C'est de parler d'Allah Azza wa Jal, de ses noms et de ses attributs. Comme ça, on dit les salafs, peuple après peuple. Comme ça, on dit les salafs, génération après génération. Celui qui veut être le Al-Sunna al-Jama'a, alors qu'il dise ce que je suis en train de dire. Qu'il dise que d'abord la Aqida, et dans la Aqida, d'abord, quoi? Les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour connaître qui? Pour connaître qui je suis en train d'adorer. Ce n'est pas comme les gens de la masse, et les vieilles, et les vieux, je ne sais pas qui dit. Il dit, ça importe peu. L'essentiel, j'adore Allah, Allah connaît, me connaît, moi je le connais, ça s'arrête là. Là, c'est l'essentiel, je fais la salat, je veux le hajj, ça s'arrête là. Tout ça, c'est faux, barakallahu fi. Plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu l'aimes. Non, plus tu connais une personne, prenons seulement les personnes. Plus tu connais une personne, quelles sont ses qualités, plus tu aimes cette personne, plus. Quand je vous parle moi d'une personne, je vous parle de Omar Khattab, de Ali ibn Abi Talib, et je commence à vous citer ses qualités. Comment qu'il dormait pas la nuit, il priait, comment qu'il donnait tous ses biens, comment ceci, comment cela. Est-ce que vous n'allez pas l'aimer? Vous n'allez pas sentir les larmes qui vous viennent aux yeux, vous allez sentir quelque chose dans le cœur. Pourquoi? Vous l'avez connu, Omar Khattab, vous l'avez connu avec les détails. Qu'en est-il maintenant? Je vous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, tous ces détails. Pourquoi les écrits, pourquoi les savants ont écrit des milliers de livres sur le prophète islam? Comment qu'il marchait, comment qu'il s'habillait, comment qu'il se levait, comment qu'il allait aux toilettes, comment qu'il mangeait, comment qu'il s'accouplait avec ses femmes, comment qu'il priait. Tout ça, c'est pour que tu le connaisses mieux, pour que tu l'aimes encore plus. Qu'en est-il maintenant de Allah Ta'ala qui a créé l'univers? Allah Ta'ala, tu ne connais pas avec ses noms, ses attributs. Allah Ta'ala, c'est juste comme ça un mot. J'adore Allah et il ne connaît pas. Ça s'arrête là. Celui qui dit que c'est pas important d'apprendre ces choses là, tu lui dis quoi? Tu lui dis attention, il faut faire tant de pardonner cette phrase que je suis sûr que la personne qui l'a dite, elle l'a dite sans vouloir faire du mal. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que les gens ne l'ont pas entendu. Parce que si elle a dit ça devant des gens, elle doit se corriger devant les gens. Comme a dit Allah Ta'ala. L'adina, tabou wa aslahu wa bayyanu. Il faudrait que aslahu, qu'elle corrige devant les gens. Si elle l'a dit en elle-même, elle fait tawba entre elle-même et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Mais si elle l'a dit à des gens, il faut quoi? Il faut qu'elle dise aux gens, voilà, je me suis trompé dans cette chose,
يعني connaître Allah Ta'ala par ses noms, ses attributs, c'est le dogme de Al-Sunnah al-Jama'ah, c'est le dogme de tous les messagers, c'est le dogme de les plus prédécesseurs, Salaf Salah radiallahu ta'ala anhum, et ne pas donner d'importance à ces choses-là, c'est quoi? C'est le dogme de qui? C'est le dogme des sectes égarées. C'est le dogme des Habash qui te dit on ne parle pas de ces choses, c'est pas important. C'est le dogme des Ikhwan Muslimoun qui disent la Aqida, ça sépare, ça diverge. Hein? Ça fait yani, des fitnes entre les gens. Vaut mieux ne pas en parler. Pourquoi je ne parle pas d'Aqida? Ça fait fitna. Akhlas, que chacun se disperse. On reste deux seulement et on adore Allah Ta'ala avec clairvoyance. L'islam, est-ce qu'on a besoin nous de monde? C'est un football. L'islam, c'est le football. Hein? On veut beaucoup de gens viennent assister au match. L'islam, comme a dit Abdullah Ibn Mas'ud, que tu sois avec le haq, même si tu es seul. Si tu es seul, toi, dans ta ville, vous êtes deux frères ou deux sœurs, vous êtes sur le vrai, akhlas, c'est ça l'islam, alhamdoulilah. Comme disaient les salafs. Ils disaient, Abu Bakr, c'est lui, sunnah al-jama'a. Quand il est mort, Abu Bakr, c'est-à-dire, c'est celui qui vient après lui. C'est lui, sunnah al-jama'a, jusqu'à ce qu'ils ont dit, c'est Ibn Taymiyyah, sunnah al-jama'a. Et comme ça, c'est Ibn al-Qayyim, sunnah al-jama'a. Une seule personne, c'est sunnah al-jama'a. Allah Ta'ala a dit, en parlant d'une seule personne, de Ibrahim, il a dit, Inna Ibrahima kana ummatan. Allah Ta'ala a dit, Ibrahim était une communauté. Pourtant, c'était un seul homme. Pourquoi? C'est lui le père de quoi? Du Tawhid, Sheikh Tawhid, Sheikh Mouahidin, Ibrahim alayhi salam. Donc, comme j'ai dit, là, celui qui dit des choses comme ça, c'est quelqu'un qui a besoin qu'il apprenne encore plus, Allah Ta'ala, et il faut qu'il regrette ce qu'il a dit. Et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal. Non, donc la question suivante, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Pouvez-vous revenir sur le fait que le tawhid annule le péché? Tafadhal, Cheikh. Non, comme j'ai dit, le tawhid annule les péchés. Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit, bon, je vous dis d'abord en arabe, il a dit, in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Il a dit, si vous éloignez des grands péchés, Allah Subhanahu wa Ta'ala annulera les petits. Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans Madarij Salikin, son livre, le sentier des itinérants. Dans ce livre, il a dit, en expliquant ce verset, il a dit, comme lorsque la personne va s'éloigner des grands péchés, la zina, l'alcool, la calomnie, Allah Ta'ala va t'effacer des petits à cause de t'être éloigné des grands, car le fait de t'éloigner, c'est déjà une adoration, ça. Toi, pourquoi tu t'es éloigné de l'alcool? Pourquoi tu t'es éloigné de la zina et de la calomnie? Pourquoi tu ne les fais pas? Tu n'aimes pas l'alcool et la fornication? Non, tu ne les fais pas parce que quoi? Parce que Allah les a interdits. Donc, il se donne une récompense. C'est quoi la récompense? Il t'annule les petits péchés. Ibn al-Qayyim a dit, comme lorsque tu délaisses les grands péchés, il t'annule les petits, la même chose. Il a dit, lorsque tu délaisses le shirk, il t'annule les grands péchés. C'est l'explication d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, j'ai cité quelques hadiths ou là, quelques versets, hein, qui va aussi dans ce sens. Je vais citer aussi, si pendant une seconde je vais voir où j'ai cité ça, même que le tawhid annule quoi? Annule les péchés, même. Je sais pas où il est là, mais c'est ce que je viens de vous dire maintenant, le verset que j'ai cité, et les savants disent quoi? Disent yani, là, ils disent que comme, même, comme le shirk annule les bonnes œuvres, ils ont dit le tawhid annule les péchés. Et le hadith est authentique que quiconque meurt avec un bon tawhid, sa dernière phrase sera la ilaha illallah avant de mourir. Du fond du cœur, il a dit que celui-là, il rentrera au paradis. Et pour qu'il rentre au paradis, il faut que Allah subhanahu wa ta'ala lui annule ses péchés. Tafadhal.
Non, donc question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Quelle est la différence entre les noms et attributs d'Allah? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Le nom, c'est, on dit en arabe, Madalla ala zat. Et l'attribut, c'est pas Madalla ala zat wa ma'nan. Wa ma'nan. Je répète, un nom, quand je dis un nom, c'est, par exemple, je prends par exemple Samia. Samia. Il y a quoi? Il y a l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus quoi? Plus l'attribut de l'audience, Sama. Ça, quand je dis le rapport, il y a l'entité d'Allah, il y a Allah, et il y a l'attribut de l'Maghfira, l'attribut de la miséricorde. Ça, quand je dis par exemple l'alim, l'alim, le connaisseur, il y a Allah, c'est son entité, et il y a quoi? Et il y a l'attribut de la connaissance. Ça, c'est le nom. Maintenant, si je parle seulement de l'attribut, c'est comme Ar-Rahma, la connaissance, Al-Ilm, la miséricorde, le sourire d'Allah, Dahik, le rire d'Allah, la descente, la main, tout cela, ce sont seulement des attributs. Là, c'est quoi? C'est seulement l'attribut sans qu'il y ait forcément l'entité d'Allah. Quand je dis l'ilm, la science, c'est une chose, une science, un attribut. Non, je ne suis pas en train de parler d'Allah, je parle de son attribut. Mais si je cite son nom, non, ça veut dire qu'il y a quoi? Qu'il y a Allah plus son attribut. Voilà, inshallah ta'ala, la différence. Très bonne. Non, cher, donc une sœur ajoute, pouvons-nous dire qu'Allah a un nefs? Tfadal, cher. Bien sûr qu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un nefs, mais nefs pas comme notre nefs, car il a dit dans le Coran, sur la langue de Isa alayhi salam, il a dit ta'lamu ma fi nefsi wa la a'lamu ma fi nefsik innaka anta a'lamu al-ghuyub. Isa a dit, tu sais ce qu'il y a dans mon nefs et je ne sais pas ce qu'il y a dans ton nefs, en parlant d'Allah. Et c'est toi qui détiens la science de l'invisible. On dit que Allah Ta'ala a une nefs. Mais bien sûr, Al-Sunna al-Jama'a disent que Allah Ta'ala ne ressemble en rien à ses créatures. Et jamais ses créatures ne lui ressemblent. Il y a la ressemblance seulement dans le mot. Quand je dis ma, il ma. Quand ma d'Allah, ma. De la personne, mais entre les deux mains il y a des différences comme il y a entre Allah et entre nous. Naam, bien sûr, une nefs qui, c'est-à-dire un attribut qui convient à Allah et qui lui sied. Tfadal. Naam, jazakumullah khayran cher. Donc, question suivante, inshallah. Salamu alaykum ya cher. Hafizakum Allah, considérant que le croyant est sauvé du shirk akbar, mais quel est le plus dangereux des shirk asrar? Comment prendre conscience que l'on est tombé dedans? Comment œuvrer pour en sortir? Et quel est le meilleur moyen de s'en préserver? Barakallahu fikum shir. Tfadal shir. Les savants, quand ils classent les péchés, comment qu'ils les classent? Ils disent, premièrement, il y a le grand shirk. Deuxièmement, il y a le petit shirk. On commence du plus dangereux, on descend vers le moins dangereux. Il y a premièrement le grand shirk. Deuxièmement, le petit shirk. Troisièmement, la bida, l'innovation. Quatrièmement, le grand péché. Cinquièmement, le petit péché. Comme ça, il faut les classer, il faut que vous les connaissiez, que vous les appreniez. Le grand shirk, ensuite le petit shirk. Ensuite la bida. La bida, quand on parle de gens, on dit attention à la bida, attention c'est un moubtadé, attention à... Certains rient,
tu dis c'est quoi la bida? Non, tu sais pas ce que c'est la bida. La bida, c'est plus grave que tu boives de l'alcool ou que tu fasses la fornication. La bida, c'est plus grave. Pourquoi? Car quand tu bois de l'alcool ou tu fais la fornication, c'est seulement des tentations. La preuve, si on commence à t'en parler de ce qu'a dit Allah Ta'ala, tu vas pleurer, tu vas dire je regrette, etc. Je ne vais plus faire cette chose. Mais la bida, non. La bida, c'est adorer Allah Ta'ala avec ce qu'il n'a pas légiféré. Donc tu crois que tu es dans le juste. Tu crois que tu es dans le vrai. Et tu es prêt à mourir pour ta bida. Tu es prêt à combattre tout le monde. Et à sortir ton épée et à faire les plus grandes fitnes du monde. C'est pour ça que le prophète a dit que Allah Ta'ala a voilé le repentir pour quelqu'un qui est mubtada jusqu'à ce qu'il se repente. Est-ce que vous avez remarqué que un tekfiri, par exemple, est-ce que vous avez remarqué un tekfiri, un khariji, un rafidi, un mu'tazili, vous avez remarqué que ceux-là ils font pas la tawbah? Ça fait des années que Salah 19 entend les hadiths et les versets. Est-ce que il peut faire tawbah un jour? Allah Ta'ala voilé. Comme disent les savants, comme a dit un grand savant, il a dit mon fils, les honnêtes, ceux qui font la zina, est mieux pour moi, mon fils, que je te vois fréquenter quelqu'un qui fait la bida à mon fils. Non. Donc, c'était quoi la question exactement? Donc, c'est pour ça que on doit faire tout notre possible. Pourquoi? Pour ne pas faire ni le grand shirk, ni le petit shirk. Et pour ne pas les faire, qu'est-ce qu'il faut? Une seule chose. Une seule, plus importante, c'est quoi? C'est d'apprendre la science. Tu ne peux pas t'éloigner des fautes et des péchés, et surtout du shirk, si tu n'as pas de science. Non, tu n'as pas de science. Allah l'adhim. Comment tu peux t'éloigner du shirk? Bon, regardez, je vous donne un exemple. C'est pour ça que nous, du matin au soir, on n'arrête pas de parler de quoi? De aqidah. Aqidah, tawhid, apprends tawhid, aqidah, apprends. Plus tu apprends ça, plus tu t'éloignes du shirk. Le shirk, c'est contre le tawhid. Tu n'as pas de tawhid, tu n'as pas d'aqidah. Comment veux-tu que tu ne t'en pas dans le shirk? C'est impossible, subhanallah al-adhim. Ce sont des choses qui sont contradictoires. Tu ne veux pas le shirk. Alors, où est le tawhid? C'est le tawhid qui va quoi? Ton péché. C'est comme si quelqu'un va se jeter dans un avion, il n'a pas de parachute. Il n'a pas de parachute. Khalas, salam alaykoum. Creusez-lui sa tombe. Combien qu'il a d'occasion pour qu'il ne meure pas celui-là? Il tombe dans un avion. Où est le parachute? Et maintenant, toi, tu risques de tomber de plus haut qu'un avion pour tomber en enfer. Où est ton parachute qui est quoi? Qui est tawhid. Où est ton parachute? Il n'y a pas. C'est pour ça que du matin au soir, nous on parle aux gens. Apprenez Aqida, apprenez Tawhid. Je vous ai dit, si vous voyez quelqu'un qui fait la dawa, ça je vous donne une règle en or, inshallah ta'ala. Si vous voyez quelqu'un qui fait la dawa, et que vous voyez qu'il ne donne pas d'importance à la Aqida, il ne fait pas de cours d'Aqida, ou bien il fait une fois par an, ça veut dire que quelqu'un vraiment, yani, il est un peu loin. Non, il est loin, il n'y a pas d'Aqida chez lui. Il n'a pas d'importance. C'est pour ça que, il faut parler avec des gens qui lui disent Aqidah. Il dit c'est pas important Aqidah. La Aqidah, c'est l'essentiel, c'est de sortir les Juifs de la Palestine. Non, c'est ça la Aqidah. Tu combats les Juifs, tu les sors de la Palestine. Tu sais pas toi combien de gens qui. Il y a des musulmans qui combattent les Juifs et que eux-mêmes font du shirk. Tu sais pas sur toi ça? Tu sais pas que les talibans, quand ils ont combattu les Américains en Afghanistan, tu savais pas qu'en même temps ils combattaient les Américains? En même temps, ils tournaient autour des tombes et demandaient aux morts de leur donner la victoire. C'est pour ça que Allah Ta'ala n'aura pas donné la victoire des talibans. Ils ne sont pas arrivés à l'État islamique. Ils en sont en train de s'entretuer. Pourquoi? Il n'y a pas de tawhid. Il n'y a pas de tawhid. C'est pour ça qu'il y a un grand savant. Il y a un grand savant, une fois, des années, il a expliqué le tawhid. Le tawhid, pour l'apprendre, combien qu'il faut? Des années. Toute ta vie, tu vas l'apprendre, ça ne va pas suffire. Il apprenait le tawhid, il le rapprenait. Ensuite, quelqu'un a dit un jour, un élève, comme ça, avec une bonne intention, il a dit, cher, je peux dire quelque chose,
fois dit tfadal. On dit excusez-moi, Cheikh, mais j'ai un problème. Tfadal, ça fait rien. Tu as dit voilà, Cheikh, pardon, mais il y a toujours Aqida avec vous du matin au soir. Aqida. Si un peu on change et on apprenait un peu fiqh, un peu sira, un peu tda. Le Cheikh a dit d'accord. Il y a l'Aqida khlas. Il a dit, naam khlas, l'Aqida, ça fait deux, trois ans qu'on apprend, alhamdoulilah. On connaît tout, alhamdoulilah, ça nous suffit. Alhamdoulilah, il a dit le Cheikh, alhamdoulilah. Donc, Aqida, vous avez bien compris, vous connaissez très bien, alhamdoulilah. Donc, prochain cours, inshallah ta'ala, on commence fiqh. Prochain cours, ils ont commencé fiqh. Il s'est passé avec eux, il a dit, voilà, pour faire des ablutions, on dit bismillah, ensuite ceci, cela. Ensuite, il leur a dit à propos, je ne vous ai pas dit une chose importante. Vous savez ce qui s'est passé hier dans la ville? Ils ont dit, non, on ne sait pas. Il a dit, vous savez pas ce qui s'est passé la nuit? Ils ont dit, non, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a dit, subhanallah l'adhim. Il leur a dit, quelqu'un, non, les soldats, les policiers, là, ont gagné, ont attrapé quelqu'un qui tournait autour de la tombe. Et disait aux morts, y'a Sidi Flan, je suis stérile, donne-moi des enfants. Alors, quand il disait là qui était assis, ils ont dit Subhanallah, Qaddar Allah, ma chafal. Oh, dommage, hein? Dommage, Subhanallah, l'adim. Celui-là, c'est un fou, yani, il tourne autour de la tombe. Amen. Continuez, Cheikh. C'est quoi la deuxième des choses? Vous voyez comment? Ils sont vite passés, hein? Et la deuxième des choses, il leur a dit, ils ont attrapé quelqu'un en flagrant délit qui faisait la zina avec sa mère. Alors là, quand il a dit ça, tous les élèves ont crié Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, mujrim, assassin, l'âme, assassin, sabou, je ne sais pas quoi. Ils ont commencé à l'insulter de toutes les insultes. Et ils ont rougi, ils sont énervés. Le Cheikh a dit, si vous, barakallahu fik, moi, si vous, c'est mieux tout là, il les a fait asseoir. Ensuite, il leur a dit, écoutez mes enfants, écoutez. Je vais vous montrer que vous êtes vraiment loin de la Aqida. Écoutez mes enfants. Quand je vous ai parlé de quelqu'un qui tournait autour de la tombe et qui demandait aux morts de lui donner des enfants ou bien de faire descendre la pluie, c'est quelqu'un qui faisait le grand shirk. Et qui, s'il allait mourir, il allait rentrer éternellement en enfer. Le maximum que vous avez fait, vos trois mots, et vous vous êtes tués. Et quand je vous ai dit, par contre, que quelqu'un a fait la zina avec sa mère, qui n'est rien, comparé à ce qu'a fait le premier grand shirk. C'est quoi la zina avec sa mère? C'est un grand péché, c'est tout. Mais est-ce qu'on sort d'islam? On ne sort pas. On n'est pas sorti d'islam. On a fait un grand péché. On fait tauba, on demande la pardonner. Et si on meurt, après avoir fait zina avec sa mère, on ne va pas rentrer éternellement en enfer. On va quoi? Ou bien Allah va nous pardonner, ou bien va nous faire rentrer en enfer ou nous faire sortir. Ce n'est pas comme le premier qui tournait autour de la tombe. Ah, vous avez vu, quand je vous ai dit ça, yani, vous avez crié, vous avez ceci, vous avez cela. Donc mes enfants, il leur a dit, vous êtes vraiment loin de la Aqida. Vous n'avez rien compris encore dans la Aqida. La preuve, vous vous énervez. Pour quelqu'un qui fait un grand péché, qui est la zina, et pour quelqu'un qui fait plus grand péché, le shirk, que Allah Ta'ala ne pardonne pas, qui te fait rentrer éternellement en enfer, vous dites seulement, Qaddar Allah ma shafa'al. Et vous leur a dit, je vous ai dit les enfants, vous êtes vraiment loin. Et fadlan, inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprenne notre religion et la aqida. Si c'est le moment d'arrêter, vous me le dites, inshallah. Amin, cher. Donc là, ça va être la place au frère, Inch'Allah. Donc c'est Abu Aïcha, c'est bien ça? Abu Aïcha, je vais enlever le raid. Fadallah, Inch'Allah.
Vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc en fait, ma question c'est comment avoir une attitude face à quelqu'un qui a fait la Torah, qui a un manhaj qui est le verset pas très clair, et on a fait la Torah, on a eu le prêtre, mais on reste toujours sur chacun de nous. C'est-à-dire que c'est un manhaj toujours flou, et cette personne, elle fait des délais, et elle me montre le mot pour faire l'année en fait là. Donc, quelle est notre attitude, nous? L'année, sachant que lui, il fait des erreurs. Quelle est notre attitude, nous? Pour justement, comment on doit réagir par rapport à ça? Et même, l'année, si vous voulez, seulement, faire juste un bref rappel sur une mahabba. L'année, on aime pour Allah, mais on déteste pour Allah. Voilà, je vais vous faire sur la question avec vous, là. Alhamdulillah. Mais il n'y a pas d'autres questions. Je répète la question. Quelle est notre attitude à avoir face à quelqu'un? Quelle est notre attitude à avoir face à quelqu'un à qui il a un manhaj qui est pas clair, il a un manhaj qui est pas clair, une voix qui est pas claire, qui est humain et qui donne des bureaux, qui fait le traitement tous les vendredis? Est-ce qu'on a fait la tête? On n'a pas conseil, on lui a mis des preuves, il a donné des preuves, mais il a toujours son même point de vue. Donc la question est, certains frères à nous, qui, on va dire, qui font partie du même rêve, assistent à la Khutba, et on voulait savoir justement notre question par rapport à ça, et même à certains de ces bureaux, certains que les bureaux qui font, ça va être notre propre, et on dirait que c'est au niveau du même rêve. Donc ma question est, quelle est notre attitude à ce genre d'individu, que ce soit lui-même ou autre personne, surtout si la personne a de l'influence en tant qu'humain. Et après, tu peux avoir une brève, tu connais un bref rappel sur la mahabba qu'on aime pour Allah et qu'on déteste pour Allah, notamment par rapport à ce genre d'individu. Barakallahu fikoum. Est-ce que la question est claire? Non. Ma question était claire, est-ce que vous m'entendez par contre? Alhamdulillah. Ça me rappelle, ce cas me rappelle le cas d'un imam dont on m'a parlé aussi une fois et qui faisait des cours se basant sur un tafsir qui s'appelle tafsir Sabouni, comme dans une certaine mosquée, je ne sais plus où elle est, où ils ont dit yani, comment qu'il allait faire avec cet imam. Alors qu'il se basait sur un tafsir qui s'appelle tafsir Sabouni, et que je crois qu'eux-mêmes ont dit qu'ils ne savaient pas si c'était un livre sur lequel il y en a un livre de confiance ou pas. Je profite ici pour dire que ce livre, c'est un livre vraiment déconseillé. C'est un livre qui a été critiqué par Ibn Baz en personne. Ibn Baz et même Cheikh Fawzan. Sans parler de Bnou Djibrin, sans parler de qui encore l'a critiqué, un savant très connu, attendez si je me rappelle, Zayd Abou Bakr, Bakr Bnou Zayd, Afouane,
Naam, Bakr aussi l'a critiqué, Bakr Abou Zayd. Et comme j'ai dit, beaucoup de savants ont critiqué ce livre où c'est plein de sharia et c'est plein de dire de savants qui sont vraiment loin de Al-Sunnah ou Jama'a. Ce qu'a dit Razi, ce qu'a dit Sawi, tout ça, ça se trouve dans son livre. Au point où même quand il parle de la main, il essaye d'éviter pour dire qu'Allah Ta'ala a des mains. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la aqida de s'abonner. Naam. Donc je disais, quand une personne demande comment on fait avec telle ou telle personne qui a de la bid'a et qui a des égarements dans le minhaj, etc., je lui dis, il n'y a pas une règle générale qui dit on doit faire ceci ou cela. Mais il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans le jeu, qui rentrent dans la chose. Par exemple, quel est le premier facteur? Le premier facteur, c'est par exemple en ce qui concerne la personne elle-même qui fait des fautes. Il y a des personnes qui font des fautes comme ça dans le minhaj, etc., mais qui plus ou moins yani, ont un bon comportement qui leur permet d'accepter quand on leur fait des nasihas, qui voudraient apprendre, qui voudraient avancer, qui voudraient corriger. Et il y a d'autres par exemple qui yani, te déclarent carrément la guerre. Il te dit yani, prends ton chemin, laisse-moi tranquille, je sais ce que je suis en train de faire. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, deuxième facteur qui rentre aussi, c'est quoi par exemple? C'est le nombre et l'influence et l'impact des frères de Al-Sunnah al-Jama'a. Est-ce que dans cette mosquée, les frères de Al-Sunnah al-Jama'a sont nombreux, ils ont un impact, ils peuvent faire des choses, ils peuvent arrêter l'imam, ils peuvent porter plainte contre lui, ils peuvent. Ou bien, on est faible. Si on est faible, c'est comme les sahaba et le prophète Islam étaient faibles à la Mecque. Il n'a rien fait. Il voyait les kuffars en train d'adorer les statues de la Kaaba, il ne faisait rien. Ça. Et même le prophète Islam lui-même, une fois, il a fait une prosternation devant la Kaaba, 4 ou 5 personnes sont venues et lui ont posé des najasa, des souillures sur son cou, et Abdullah ibn Mas'ud était en train de voir, il n'a rien fait. Il a dit, je ne peux rien faire. Si je pouvais, j'aurais fait. Regardez, Abdullah ibn Mas'ud, un grand compagnon, ne peut rien faire. Donc, on voit ici la même chose. Est-ce que vous, quel est votre nombre, quel est votre impact, quelle est votre influence? Si vous allez bouger, vous allez faire quelque chose. Ou bien vous ne pouvez pas. Si vous pouvez, il faut faire quelque chose. Il faut aimer Allah et détester Allah. Celui qui n'a pas atteint le degré pour qu'il aime Allah et déteste Allah, celui-là, sa foi est vraiment faible, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car maintenant, des fois, quand on dit aux gens, attention à X, il fait de la bid'a, il faut mettre en garde contre lui, attention, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, oh, vous parlez sur les musulmans, c'est de la calomnie, c'est de la médisance, il est absent, il est ceci, il est cela. Tous les gens, toutes les personnes qui disent cela, ou bien sont des nouveaux en islam, ils ne connaissent pas l'islam, ou bien ce sont des gens qui n'ont pas encore compris l'islam et ne comprennent rien du minhaj. Tu laisses des gens égarés, tu laisses des gens yani, dévier les autres, tu laisses des gens yani, amochir l'islam et tu dis on fait rien, et tu dis c'est la bid'a, tafoun, et tu dis c'est la médisance si je parle de lui. Subhanallah al-Azim. Si tu voyais toi quelqu'un en train de yani, quelqu'un demande à un autre, il lui dit c'est où le boulanger. Au lieu de lui montrer le boulanger à droite, il lui dit c'est à gauche. Toi, tu vas sentir quelque chose dans ton cœur. Tu vas dire, c'est un menteur celui-là, pourquoi? Et tu vas aider l'autre, tu lui dis, écoutez monsieur, c'est pas à gauche, c'est à droite. Tu veux lui montrer le vrai chemin. Ça, c'est juste pour un boulanger. Qu'en est-il, toi, tu quelqu'un assis là dans la mosquée, en train de montrer le faux aux gens. Il leur dit, non, Allah Ta'ala ne descend pas. Non, Allah Ta'ala n'a pas de main, n'a pas de yeux, n'a pas ceci, n'a pas cela. Et il leur inculque des choses fausses. Dans la aqida des Ash'arites, des Jahmites, des Mu'tazilites, des Jabrites, des Qadarites, des Ash'arites, des Kharijites, des Habashites. Et on est là assis et on dit, c'est pas bien de parler sur les gens. Subhanallah, où est ta jalousie? Où est ta jalousie dans l'islam? Où est l'amour pour Allah? Où est l'amour? Si quelqu'un était assis dans la mosquée et parlait de ton père,
des choses fausses. Le père de X, Abraham 13 est en face de moi en vert. Donc, le père d'Abraham 13, c'est un voyou, c'est un escroc, c'est un vaudeur, c'est un... Subhanallah, tu ne vas pas sentir quelque chose dans ton cœur. Tu dis, subhanallah, l'adim. Comment je le laisse dire tous ces mensonges sur quelqu'un que je connais. Maintenant, toi, tu laisses dire des gens, des mensonges sur Allah, son messager, son livre, sa sunna, et tu dis que tu aimes l'islam et tu aimes... C'est pas vrai. C'est tout ce qu'on dit. Donc je dis à mes frères, il faut faire entrer tous ces facteurs dans le truc et voir si on peut faire quelque chose doucement, sans faire de fitna, sans que je me trouve au commissariat, sans que je me trouve dans les tribunaux, car le commissariat et le tribunal et tout ça sont avec cet homme. Je ne connais pas cet imam, mais s'il va déposer plainte, c'est vous tous qui êtes les terroristes et enfin, vous êtes envoyé par Ben Laden pour faire la fitna là-bas en France. Alors ça aussi, il faut le mettre dans la tête. Il faut le mettre dans la tête. Et si vous pouvez avec hikma, avec là, Inch'Allah, allez-y doucement, doucement, naam, et que Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse une solution. Fadlan. Amin wa barakallahu fikoum, Cheikh. Donc l'administrateur, l'organisatrice donc du séminaire me dit qu'il y a une dernière question, Inch'Allah. Donc je vous la lis, Cheikh. Assalamu alaikum, Cheikh. Je suis possédé par un djinn et à cause de cela je n'arrive pas à avancer pour apprendre la aqidah. Je ne fais aucun effort. Quelle est ma position devant Allah? Pouvez-vous me conseiller? Barakallahu fikoum, Cheikh. Et donc Inch'Allah, ce sera la dernière question, Cheikh. Jazakumullah khairan. Naam. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je dis à cette personne, le fait de dire que c'est le djinn qui m'empêche d'apprendre ma aqidah, ce n'est pas une excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu commençais à apprendre la aqidah, tu n'as plus besoin de quoi? Tu n'as plus besoin de penser à ton djinn, ni même de faire des ruqyas. Plusieurs savants ont dit, aide le fait d'aller revenir chez le raqib, faire la ruqya, tout ça c'est presque la perte du temps. Ils ont dit, tu veux vraiment guérir de ton djinn, c'est quoi? C'est tu apprends la aqidah. Tu ouvres les livres, tu ouvres les cassettes, tu ouvres les cours, tu commences à entendre, ou bien à écouter, ou bien à lire, ou bien à aller chez les savants, et à apprendre la aqidah, peut-être un mois, peut-être deux mois, peut-être trois mois, le djinn que tu as va partir. Le djinn, c'est quoi? Le djinn, il n'aime pas la aqidah, il n'aime pas la pureté, la clairvoyance, il n'aime pas ces choses. Il aime les ténèbres, le shirk, la bid'a. Donc, quand il va voir que ton cœur s'est illuminé, alors qu'il était dans les ténèbres, il était dans l'obscurité, maintenant il va voir la lumière de la aqidah qui commence à s'ancrer dans ton cœur, lui il va dire, khlas, j'étais là caché dans les ténèbres, maintenant tout est illuminé, l'âme, je suis dévoilé, moi je quitte, je ne peux pas vivre dans un cœur et un corps pareil, je quitte et je vais aller vers une autre proie, il va chercher une autre proie et il va la posséder. Donc un petit orte inshallah ta'ala, commence à apprendre la aqidah et tu vas voir inshallah ta'ala comment le djinn lui-même ne va pas tenir le coup et comment Allah subhanahu wa ta'ala pour te rétribuer comme il rétribue les gens yom al-qiyamah en les faisant entrer au paradis, ici il te rétribuera inshallah ta'ala en te guérissant et en éloignant ce maudit qui est en toi, car ce maudit là ne peut pas vivre dans un endroit où c'est tout tawhid, c'est tout adoration d'Allah, c'est tout sunnah. Naam. Quand il n'y a pas, justement, on n'arrive plus à écouter vos cours, cher. Elle n'arrive pas à écouter mes cours, mais elle essaie avec d'autres. Naam, d'autres cours. Il faut qu'elle se force. Il faut qu'elle se force, bi'idhnillahi ta'ala. C'est comme lorsqu'on fait ruqya à quelqu'un. Lorsqu'on fait ruqya. Est-ce que la personne aime qu'on fasse ruqya? C'est pas tout le monde, il y a qui veut pas. Des fois, on a fait des gens, on leur a fait des ruqyas, alors que, ils étaient liés, gars.
il ne veut pas. Mais toi, tu te forces pour écouter. Car c'est Inch'Allah ta'ala dawa. Sa femme, tu es en train de te soigner. Quand je me soigne, moi, je me force à rester avec qui? Je me force à rester avec yani, le médecin bi'idhnillahi ta'ala. Naam, puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'aider. Elle demande la aqida Inch'Allah ta'ala. Et ça ne fait rien si en même temps elle est en train de se soigner ou de la faire la ruqya ou là. Que Allah subhanahu wa ta'ala l'aide. Voilà Inch'Allah ta'ala pour aujourd'hui. On va se rencontrer Inch'Allah ta'ala très bientôt. Cher Afam, demande beaucoup de la référence de la porte de Nourkir. Quelle est la référence de quoi? Que Allah ta'ala annule le shirk? Que le shirk annule les grands péchés? Est-ce qu'il veut dire ça? Quand j'ai cité que comme Allah subhanahu wa ta'ala annule les petits péchés, si on s'éloigne des grands péchés, Allah ta'ala annule les grands péchés si on s'éloigne du shirk. Est-ce qu'il parle de ça? Naam, de toute façon, je crois qu'il parle de ça. Pas parlé. Naam, je lui ai dit, s'il se rappelle bien, je lui ai dit que cette parole, je l'ai lue dans Madarij Salikin. Madarij Salikin. Naam, maintenant, où exactement, je me rappelle pas. Je l'ai lu, ça fait pas longtemps. Ça fait à peu près 25 ans. Ça fait 25 ans à peu près que j'ai lu cette phrase. Donc, revenir 25 ans en marche arrière pour lui dire où est-ce quelle page elle se trouve, Allahu alam. Mais dis-lui, Inch'Allah ta'ala, que s'il me fait confiance, bi'idhna ta'ala, que je l'ai lu chez Ibn al-Qayyim et que c'est lui qui a dit cette phrase, bi'idhnillahi azzawajal. Voilà, Inch'Allah ta'ala, barakallahu fikum. On se rencontrera, Inch'Allah ta'ala, très bientôt. Pour ceux qui viennent dans le cours ce soir, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا vous aussi ceux qui ont assisté et ceux qui ont aidé les admins et les organisateurs les organisatrices et tous et toutes ceux et celles qui ont yani assisté avec nous puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider nous apprendre notre science et nous aider à la propager avec hikma avec clairvoyance, avec science et avec douceur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.